Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, Mesdames, Monsieur, Madame, Monsieur les journalistes, merci de votre présence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les auditeurs libres de cette séance, bienvenue. Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices et collaborateurs, chers collègues des services municipaux, merci donc de votre participation à ce conseil municipal du 4 juin qui revêt une certaine importance, si ce n'est une importance certaine. On a dénombré donc pas moins de combien, monsieur le DGS, 25 affaires. Nous revenons donc sur l'approbation des deux derniers PV, puisqu'ils étaient rapprochés et on n'avait pas eu le temps de faire le précédent pour le tout dernier conseil que l'on a eu à aborder ensemble. N'empêche que ce soir, nous avons donc des points importants. Il n'est qu'à lire l'ordre du jour pour s'en rendre compte. Sans plus tarder, je vous propose donc qu'on confie, comme à notre habitude, à notre collègue premier adjoint Christian Landry, qui sera très sollicité ce soir, puisque nous sommes à l'arrêt du compte administratif. Donc à Christian Landry le soin de pouvoir faire l'appel des présents. Christian. Merci, Monsieur le maire. Donc, conseil municipal du 4 juin 2018, présidé par Monsieur Patrick Le Breton. Présent. Landry Christian. Présent. Madame Inelda Bossillon. Monsieur Harry Mussard. Présent. Madame Rose-André Mussard. Monsieur Axel Vienne. Madame Batifoulier Jocelyne a donné procuration à Monsieur Vienne Axel. C'est ça. Monsieur Henri-Claude Yebeau. Madame Blanche de Breton. Monsieur Jean-Daniel Lebon. Madame Marie-André Lejoyeux. Monsieur Harry-Claude Morel. Présent. Madame Gilberte Gérard. Présent. Monsieur Guy Lebon. Présent. Madame Raymonde Vienne. Présent. Monsieur Kerbidi m'a donné procuration. C'est ça. Monsieur Waro Janik. Absent. Madame Blanche Reine Javel. Présent. Monsieur Jean-Marie Grondin. Présent. Madame Claudette Waro. Madame Marie-Jo Lebon a donné procuration à Blanche Reine Javel. C'est ça. Monsieur Jean-Denis Naz a donné procuration à Monsieur Guy Lebon. C'est ça également. Marie-Josée Huette. Monsieur Henri-Claude Huette. Madame Lucette Courtois. Présent. Madame Corinne Etève. Monsieur Mohamed Jaffar. Madame Boyer-Julie a donné procuration à Madame Etève Corinne. C'est ça. Monsieur Yanis Payette. Madame Marilyn Georget. Monsieur Sylvain Waro. Monsieur Guézelot Alain. Monsieur Fontaine-Olivier a donné procuration à Monsieur François Rivière. Et Madame Francombe-Brigitte a donné procuration à Monsieur Alain Guézelot. Madame Marie-Pierre Assati. Absente. Absente. Monsieur Rivière François. Madame Payette Priscilla. Madame Guézelot Rosemay. Absente. Et Monsieur Mallet Harry. Absent. Eh bien, on peut dire ite lissa lista est. Et le quorum est atteint. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir valablement délibérer après avoir notamment élu notre secrétaire de séance. À qui le tour? Monsieur Harry Mussard. Désigné volontaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité des membres présents. Félicitations, mon cher collègue.
Bien. Chers collègues, comme nous nous donnons l'occasion à chaque séance de conseil municipal, même si nous ne le souhaitons pas forcément, nous allons observer une minute de silence en hommage aux Saint-Joséphoises et Saint-Joséphois qui nous ont quittés entre ces deux séances, avec une pensée particulière pour notre centenaire, Madame Laurette, épouse Lebon Élise Angèle, qui est née le 2 mars 1916, et vous avez compris, et qui nous a quittés donc le 17 mai 2018 à l'âge de 102 ans. Je voudrais aussi que l'on s'incline devant la mémoire de M. Waro Robert François, décédé le 29 mai dernier à Saint-Pierre à l'âge de 78 ans. Ses états de service lui ont valu d'être décoré de la Croix du combattant, du titre de reconnaissance de la nation avec barrette Afrique du Nord, AFN, de la médaille du Djebel, de la main de Fatma, associée à la commémorative d'Algérie. Adhérent fidèle de la FNACA depuis 1996, trésorier adjoint départemental, il a été un des membres fondateurs du comité de Saint-Joseph, où il a exercé la présidence pendant quelques années. Tous ses états et les services rendus lui ont fait obtenir la médaille d'honneur de la FNACA. Pardon. Je vous demande donc de vous lever, de nous lever, pour bien vouloir vous saluer. Comme je vous le disais tout à l'heure, les points forts donc, de l'ordre du jour portent sur la nouvelle organisation des rythmes scolaires à la rentrée d'août prochain, puisque nous avons et nous déciderons ce soir donc officiellement de passer à la semaine des 4 jours, tant demandé par les enseignants, mais aussi par les parents. Ce qui nous amènera à décliner et orienter donc un nouveau programme périscolaire, d'activité périscolaire dans le cadre donc de notre PEDT. Je crois pouvoir dire aussi que c'est un point important puisque nous pouvons, mon cher Christian, annoncer la confirmation officielle que Saint-Joseph, grâce à la pointe de Langevin, est la commune la plus australe des départements français et du territoire de l'Union européenne. Donc c'est un principe ce soir de l'acter, puisque c'est la semaine prochaine que nous donc porterons, je dirais, la borne et mettrons cap sur justement la pointe de Langevin. Le troisième point qui nous semble important d'attirer votre attention est la création ce soir de l'association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph. Vous savez que nous faisons partie des 222 villes. On parlera d'ailleurs pour une des missions qu'une délégation d'élus aura la semaine prochaine. Nous faisons partie des 4 villes de la Réunion qui ont été sélectionnées avec Saint-Pierre, Le Port, Saint-André. Tout le monde n'attendait pas forcément Saint-Joseph, la commune rurale sur ce pied-là, et donc sur un ensemble de 222 villes françaises. Quatrième point, et non des moindres, la nouvelle étape de la révision générale du plan local d'urbanisme.
avec ce soir le retrait de la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2017 et la relance de la procédure pour un nouvel arrêt du PLU, nous l'espérons donc en septembre 2018, et en espérant aussi que l'adoption, l'approbation pourra se faire donc au premier semestre de l'année prochaine. Chacun prendra ses responsabilités, en tout cas nous c'est clair. À partir de septembre, il y aura application du règlement national d'urbanisme ici, parce qu'il faut savoir si c'est le PLU du préfet ou si c'est le PLU des élus de Saint-Joseph qui passe. Il me semble qu'en 2014, c'est nous qui avons été élus, donc nous prenons nos responsabilités. Et avec les remarques qui ont été faites à l'encontre de notre projet, eh bien nous avons décidé de dire à l'État que soit c'est lui qui fait, soit nous le faisons ensemble, mais il y a un minimum de respect qu'il faut tout simplement aligner sur la question. Et ça s'est fait de manière très courtoise, c'est la raison pour laquelle nous avons avancé, ce qui vous sera décliné d'ailleurs dans un instant, mais je pense qu'à un certain moment, il est important de mettre en avant. Nous avons été élus en 2001, nous n'avons jamais réalisé de plan d'occupation des sols de plus, c'est le premier que nous faisons, et c'est en 2009 que nous avons décidé de le faire. Nous avons pris un retard sur les conseils de l'État entre 2012 et 2017 et nous revenons aujourd'hui, nous l'adoptons en octobre 2017 et on nous met des remarques qui sont des réserves. On ne veut pas forcément être plus fort que le professeur, mais à un certain moment aussi, quand on a beaucoup travaillé, on a envie de voir la juste reconnaissance en la matière. Cinquième point, c'est l'arrêt du compte administratif 2017 avec un certain nombre de bons résultats, pourvu que ça dure. Sixième point, approbation du projet et du plan de financement d'un espace sportif, ludique et de loisirs, qui se situera dans les environs du gymnase Henri Ganoski, donc à côté de la piscine, et c'est bien sûr un espace dédié aux jeunes, dont un certain nombre sont présents ce soir, on les salue. Et septième point, il y en a d'autres, c'est quatre acquisitions de parcelles qui porteront ce soir extension de la ZAC Les Terrasses, donc, et qui vient, je dirais, confirmer, eh bien, je dirais, le dynamisme de développement de cette zone tout à fait dédiée pour. Voilà ce que je voulais dire dans une pré-introduction. Et si vous en étiez d'accord, nous allons tout de suite passer au point à présenter donc à ce conseil avec le premier. On les adopte d'un G1. L'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2018 et l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10 avril 2018. Vous les avez lus pieusement ou copieusement? Bon. Bon, ben, il n'y a pas de remarque. Donc on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, le premier point. Nous allons laisser à M. Jean-Daniel Lebon et à Mme Claire Rivière-Lebon et éventuellement à Mme Gazard donc le soin d'intervenir sur ce point, mais c'est surtout Jean-Daniel Lebon qui va l'introduire. Et ça porte donc sur la réorganisation des rythmes scolaires à la rentrée d'août 2018, autorisation de signature du projet éducatif territorial, l'approbation du règlement intérieur. C'est dans cet ordre-là, Jean-Daniel d'abord, c'est ça? Monsieur Lebon, Jean-Daniel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Le décret du 24 juin 2013 sur la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires a officialisé la modification des rythmes dans l'enseignement du premier degré et la ville de Saint-Joseph avait pour sa part fait le choix de s'inscrire dans la réforme dès la rentrée d'août 2013. Elle s'est inscrite dans la mise en œuvre du projet éducatif du territoire et de ce fait a marqué sa volonté d'offrir aux enfants de la commune des activités de qualité dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Celles-ci ont été organisées de 2013 à 2018 en lien avec la communauté éducative. Plus de 3 500 élèves ont bénéficié de ces accueils chaque année. Le décret 2017-11108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques autorise les communes à un retour à la semaine de 4 jours et ceci dans le respect de certaines conditions. La commune de Saint-Joseph a donc entamé une large concertation avec l'ensemble des partenaires et compte tenu des avis recueillis, la décision a été prise de déroger à l'organisation du temps scolaire à la rentrée d'août 2018 dans les 25 écoles de la commune, dont une école privée. Je passe donc la parole à Mme Claire Lebon pour plus d'informations.
Bonsoir. Donc, je vais vous proposer un petit bilan des 5 années des temps d'activité périscolaire, donc, dont le PEDT arrive à terme en juillet 2018, et vous proposer la nouvelle contractualisation de 2018 à 2021. Donc, juste un petit rappel au niveau des objectifs et du cadre du PEDT. Donc, les objectifs étaient d'abord de développer la cohérence éducative entre les activités scolaires et périscolaires, de permettre à l'enfant de découvrir son territoire et de favoriser l'épanouissement de l'enfant et son accès à la citoyenneté. Pour rappel, le cadre réglementaire est celui des accueils collectifs de mineurs qui demande un taux d'encadrement et un taux de qualification minimum. Pour petit rappel, donc, encore une fois, nous avons neuf demi-journées d'enseignement sur ces 5 dernières années, avec sur une après-midi par cycle et par semaine des temps d'activité périscolaire. Au niveau du service, une centaine de personnes composaient donc le service avec des administratifs, des référents de terrain, des responsables d'animation multisite, leurs adjoints, des animateurs et des intervenants. La moyenne d'âge était autour de 34 ans, une grande féminisation du service. Et au niveau du recrutement, donc nous avions recruté à peu près 70% de personnes BAFA en cours de BAFD, de petite enfance, d'animateurs brevets d'État, et 30% environ de non-diplômés qui ont pu suivre dans un second temps la formation BAFA. Donc au niveau de ces 5 années, nous avons donc utilisé des processus d'action élaborés autour d'une année sur l'autre en fonction des besoins et des bilans qui ont été réalisés, donc axés notamment beaucoup sur la formation du personnel, de la création d'une culture commune, d'outils, de création de différents outils, pardon, et d'un management individualisé. Beaucoup de formations ont été dispensées au cours de ces 5 ans. En moyenne, 9 formations par agent sur 3 ans, ou des formations BAFA donc et BAFD, des formations CNFPT, mais aussi des formations en interne avec les compétences des différents services et des partenaires comme l'Éducation nationale autour de l'autorité par exemple, l'IMS sur l'accueil des enfants en situation de handicap, le comité régional du hockey dont le directeur technique national est venu proposer une formation pour les animateurs intéressés, et la DGSCS autour des outils d'évaluation. Sur l'ensemble de la période, 8,8 millions d'euros ont été nécessaires au fonctionnement de ces 5 années, donc, avec comme recette l'État autour des contrats aidés, une partie fonds d'amorçage et fonds de soutien qui représente un petit peu moins du tiers des recettes, la participation famille autour des 1 euro par enfant et par an, une aide de la CAF qui vient compléter le fonds d'amorçage, et le reste à charge de la ville, donc à environ un tiers des recettes. Au niveau des inscriptions, donc nous avions touché en moyenne 63% des élèves, avec une forte participation des cycles 2 et un petit peu moins au niveau des cycles 1 et des cycles 3. Donc sur l'ensemble de la période, on est resté quasiment stable sur les inscriptions. 3360 sur 5100 à peu près. 5000, ça dépend des années, oui, en moyenne. Nous avons eu l'occasion, il y a 2 ans, de faire des enquêtes auprès des familles pour mesurer leur satisfaction sur les TAP. Donc nous avons eu 15% de retour. Globalement, les familles étaient très satisfaites. Et pour les personnes non satisfaites, à nous reprocher surtout un manque de communication, ce que nous avons essayé de parer dès la 4e et la 5e année autour de la création de clips qui montrent le travail des enfants. Nous sommes aussi intéressés sur le faible taux de participation, le taux moyen de participation des cycles 3, qui était autour des 50%. Et pourquoi ils ne s'étaient pas inscrits donc sur les TAP.
Beaucoup estimaient qu'ils étaient suffisamment grands pour pouvoir rester seuls à la maison et que les activités n'étaient pas suffisamment attrayantes à leur sens. Nous avons pu constater sur cette dernière année une augmentation justement du cycle 3 à travers la création de clips, donc encore une fois, qui a été créé donc par eux-mêmes et qui les intéressait beaucoup plus. Donc, des antennes d'activités donc, ont été développées autour des cinq axes. Donc, pour rappel, les langues, la culture, le sport, la citoyenneté et les développements durables. Nous avons aussi eu l'apport d'intervenants internes autour de la langue, de la musique, de l'art du cirque, du tressage de vaqua, pour ne citer qu'eux, mais aussi au niveau des intervenants extérieurs, autour des heures d'accompagnement éducatif, où nous avons pu, par exemple, profiter du vélo ou de la langue des signes. Donc, on partirait sur une nouvelle contractualisation du PEDT pour 2018-2021, avec un retour aux 4 jours d'enseignement. Nous ne pourrons plus proposer les temps d'activité préscolaires telles qu'elles sont organisées pour le moment. Donc, nous allons proposer une organisation permettant de toujours accueillir 3 500 élèves sur 3 temps différents, donc des temps extrascolaires et des temps périscolaires. Nous allons aussi remettre en place les actions petites écoles, qui s'appelaient à l'époque expérimentation petites écoles, qui visent, pendant le temps scolaire, à proposer des activités par des intervenants qualifiés pour seconder l'enseignant. Comme nous passons à 4 jours, nous n'aurons plus la possibilité de bénéficier du fonds de soutien. Donc, nous allons devoir passer par un autre type de financement autour du contrat enfant-jeunesse, contractualisé avec la caisse d'allocation familiale. Donc, les objectifs éducatifs proposés pour cette nouvelle contractualisation sont les suivants. Donc, une première autour de l'organisation adaptée au rythme de l'enfant, qui vise à favoriser les temps de concentration de l'enfant, de prendre en compte les différents temps de la journée, d'organiser un accueil individuel de l'enfant et donner aussi la possibilité à l'enfant de ne rien faire s'il le désire, aménager des espaces adaptés. Le deuxième objectif, un cadre sécurisé et sécurisant, donc donner des repères sécurisants à l'enfant en termes de temps et d'espace, d'offrir au personnel encadrant un plan de formation individuel, communiquer aux familles une information claire concernant l'organisation des services et des activités proposées. Un troisième objectif autour de la construction de l'enfant, qui vise donc à sensibiliser les enfants aux valeurs de la République, à son environnement, de permettre à l'enfant de se sociabiliser dans le respect mutuel d'autrui et de rendre l'enfant acteur de ses activités. Un quatrième objectif, l'offre éducative globale de qualité, donc pour affirmer la pratique éducative souhaitée par les élus, de proposer des activités en rapport avec des projets éducatifs des écoles, de garantir l'accès au plus grand nombre à cette offre éducative et d'évaluer régulièrement les actions mises en place. Et enfin, un dernier objectif, acteurs du territoire, où nous souhaitons intégrer le milieu associatif et les parents au plus grand nombre. Donc les 5 axes resteraient toujours les mêmes que ces 5 dernières années. Et nous continuerons de travailler autour des projets d'école à travers les socles communs de connaissances et de compétences. Donc les activités proposées pour les 3 prochaines années se feront autour de Mercredi Jeunesse. Donc 750 places seront proposées sur 9 sites. Des petites vacances en octobre et en mars où chacune auront 650 places sur 7 sites. Et des temps d'activités périscolaires, 1000 places sur 20 sites. C'est 1000, oui, c'est pas 100. 1000. Donc voici la nouvelle organisation. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, enseignement. Une fois par semaine et par école, à partir du CP, des temps d'activité périscolaire, donc de 15h30 à 17h30. Des mercredis jeunesse qui pourront être organisés soit à la journée, soit en matinée, soit sur l'après-midi, selon les réservations des familles.
Et ensuite, sur du temps extrascolaire, donc octobre et mars, nous proposerons donc 656 places, plus 100 places supplémentaires à ce qui est proposé par les associations sur le mois de janvier. Et il faut savoir aussi que si nous ne faisons pas, nous remplissons pas les 1000 places proposées par, sur les TAP, nous transformerons ces places sur de l'accueil extrascolaire sur le mois de juillet. Donc voilà un petit peu la répartition des sites. En bleu, les écoles qui accueilleront des mercredis, les mercredis et les petites vacances. En rose, les écoles où il y aura les actions spécifiques, petites écoles. Et les petits losanges où il y aura donc les TAP. Donc l'ensemble du territoire sera couvert par les activités. Donc juste un petit exemple de planning pour les mercredis, pour les plus de 6 ans. Où on mêlera, on aura donc en moyenne deux activités par créneau, ce qui peut en faire 4 sur la journée, respectant donc les 5 axes, en sachant que la petite nouveauté par rapport à ce qui était proposé jusqu'à présent, c'est que nous pourrons permettre aux enfants de faire des sorties extérieures. Par exemple, si sur un projet d'animation autour du développement durable, ils pourront aller visiter des centrales thermiques, des éoliennes. Pour les maternelles, ce sera des créneaux un peu plus courts pour respecter leurs spécificités, et il leur sera proposé des jeux libres en plus d'un temps de repos les après-midi pour respecter leur rythme. Et pour finir, donc la programmation sur les TAP en soirée, donc sur une période, les enfants auront la possibilité sur une soirée de pratiquer deux activités de qualité, ce qui reviendrait à une dizaine sur l'année. Les tarifs ont été réalisés de manière à ce qu'ils soient le plus accessible possible aux familles, depuis les plus faibles revenus jusqu'au supérieur. Donc 7 tranches de QF ont été créées, partant donc pour la garderie du matin, là où il y aura où il y a de la garderie dans les écoles, partant de 35 centimes jusqu'à 1 euro au maximum. QF, c'était en quotient familial. Quotient familial. Le soir et les temps d'activité périscolaire, donc à partir de 75 centimes jusqu'à 1,50 euro. Les mercredis, pour ceux qui prennent sur la journée, donc de 1,80 euro jusqu'à 12 euros, comprenant les goûters, le repas, le transport pour les élèves, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les enfants qui n'ont pas de site, de centre dans leur quartier seront pris en charge par un ramassage. Et donc pour ceux qui prennent sur la demi-journée, donc entre 1 euro et 7 euros, comprenant un goûter et le repas. Pour les tarifs de vacances, donc octobre et mars, on est parti sur la base des centres de vacances, donc partant de 9 euros à 50 euros la semaine. Donc au niveau du prévisionnel financier, c'est un projet donc, qui coûterait 1 400 000 euros. Donc les dépenses, on aurait donc le matériel, le personnel, le repas, le transport. Et au niveau des recettes, donc les familles, la PSEJ autour du contrat enfant-jeunesse et la PSO qui est donc un autre type de financement par la CAF autre que le CEJ mais qui s'accumule. C'est fini, merci. Merci Madame Claire. Merci à Daniel pour l'introduction. Cela amène-t-il des interrogations, des questions de votre part, mes chers collègues? C'est un dossier important. Oui, Monsieur Rivière. Monsieur François Rivière. Monsieur le maire, chers collègues, messieurs et mesdames présents, bonsoir. On ne peut que souhaiter, effectivement, cette prise en charge de notre jeunesse, donc au niveau de ces activités. Vous avez donc par la qualité de la présentation et du dossier qui était proposé donc répondu à quasiment l'ensemble des questionnements qu'on pouvait avoir. Il y avait juste l'adaptation au niveau des tarifs
qui effectivement permet à l'ensemble des personnes donc de postuler donc à ces activités. Par contre, vous avez évoqué la problématique du transport pour les élèves qui n'avaient pas donc dans leur secteur l'école. Néanmoins, on a de nombreuses familles dont les élèves prennent des transports pour venir à l'école en temps normal. Est-ce que quand vous parlez de transport, c'est les mêmes ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Oui, ce sera exactement la même organisation. D'accord. Okay. Donc c'est une bonne chose puisque certains, par rapport au déplacement, ça aurait pu poser souci. Donc voilà. Mais on ne peut que saluer effectivement la qualité de ce qui sera proposé aux élèves et avec cette volonté de mailler le territoire et de façon intelligente par rapport aux différentes structures dont dispose déjà la municipalité. Merci. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Je voudrais qu'on comprenne bien que certains ont dit qu'on a pris notre temps. Ben, moi, je trouve que ceux qui, en la matière, sont allés vite pour prendre des décisions. J'aimerais pas, moi, être à leur place. Et en tout cas, je trouve que si on déclare que l'éducation est une priorité, à ce moment-là, il faut traduire vraiment dans les actes. Je me souviens que en 2012, tout simplement par réaction politicienne, n'avaient pas souhaité suivre à l'époque ce que le ministre de l'Éducation nationale d'alors proposé, à savoir M. Vincent Peillon, quand il s'agissait à la fois d'agir sur le nombre de jours, travailler à l'école, et de l'autre côté, le rythme qu'on y mettait. On a été la première commune de France, non pas parce qu'on voulait, on a découvert que c'était comme cela, à vouloir primer un après-midi par classe, après on a vu par cycle, etc., pour que l'organisation permet aussi une meilleure efficacité pédagogique, si je puis dire, parce que nous part du principe que nos actions, et c'était la commande passée, devaient entrer dans le cadre de l'éducation, mais de l'éducation populaire. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances, hein, quand on est fils ou fille d'enseignants ou de personnes qui sont d'un milieu plus favorisé encore. Ce n'est pas forcément les enseignants, on cite parce que certains ont mis sur la table. Et on a essayé, en tout cas, de travailler à cette époque avec un inspecteur qui était très compréhensif, très collaboratif aussi, et qui a fait se joindre dans un même mouvement les enseignants de l'époque. Ce qui m'amène à rappeler, au cas où certains auraient oublié, quand d'aucuns nous disent, parmi les enseignants, que « aura-t-on la semaine des 4 jours à Saint-Joseph ?» Ils m'ont suffisamment entendu leur répondre « Vous l'avez déjà, vous les avez déjà les 4 jours. » Parce que quand nous prenions les marmailles un après-midi, on prenait les marmailles avec les animateurs, sous notre responsabilité, l'enseignant n'avait plus sous sa coupe les élèves. Bon, pas d'hypocrisie en la matière. Maintenant, les 4 jours, tout le monde a compris que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ça ne facilite pas les choses, nous qui avons cru véritablement au projet à l'époque. Donc à partir du moment où, attention, on décide, comme beaucoup nous l'ont demandé, que c'est la semaine des 4 jours et non plus des 4 jours et demi, eh bien, on s'interdit désormais d'avoir le fonds de soutien que l'État nous avait allongé, par le biais de la CAF notamment, et qui s'appelait au départ le fonds d'amorçage. C'est la raison pour laquelle il a fallu s'orienter vers autre chose pour avoir, une texture financière qui nous permette, ou budgétaire, qui nous permette de tenir justement nos actions. Mais pourquoi on veut maintenir le PEDT par les activités périscolaires ? Claire Lebon l'a dit là à l'instant. Il y a 2 éléments qu'on a mis en avant. Un, c'est 3360 marmailles en moyenne sur 5100 marmailles. On n'a quand même pas obligé les gens à y tenir, même s'il y avait pratiquement un tarif symbolique. Et qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Ça, c'est le premier chiffre. La première référence chiffrée. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important qui a permis
Tout simplement de mesurer, je dirais, l'adhésion. Le deuxième, c'est qu'on a testé pratiquement 120 personnes par le biais des emplois d'avenir, des contrats aidés, etc., sur des dispositifs d'animation, et que nous avons bien sorti près de 80 qui sont aujourd'hui soit sur des BAFD, brevets aux fonctions de directeur, hein, d'animation en fonction de directeur, de centre aéré, etc., le BAFA, hein, sur les fonctions d'animateur, etc., etc., les CAP petite enfance, et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même des personnes qui ont un minimum de formation que les reconnus et qui, dans le dispositif mené, a permis justement d'arriver à ces résultats. Alors, j'ai lu ici ou là quelques commentaires à l'emporte-pièce de certaines personnes en disant que c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas parce que, en tant que syndicaliste catégoriel, c'est certainement un pléonasme, mais ça veut dire ce que ça veut dire, qu'on veut obtenir ces 4 jours pour avoir une semaine plus facile, qu'on doit jeter par-dessus bord le travail que d'aucuns ont réalisé. Et ces 74-75 animateurs, je n'avais pas, moi, des raisons d'accompagner le président de la République et ses ouailles pour les jeter par-dessus bord, parce qu'ils ont effectué un véritable travail. Ils ont cru au projet. Et aujourd'hui, moi, je dis que si on peut tenir et si on peut justement trouver un portage financier, il faut poursuivre. D'abord, l'intérêt des marmailles dans le cadre de notre famille. Deuxièmement, vous l'avez dit aussi, M. Rivière, c'est parce qu'il y a le quadrillage de nos territoires. Et fermer une école, il faut vraiment qu'on soit obligé de le faire, comme ça s'est produit sur la passerelle, mais ce n'est pas le projet. S'il faut en ouvrir d'autres demain, pourquoi pas ? Faire en sorte que ça existe par rapport au quartier. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur cette utilité par rapport au plus dans un instant. Et dans le même temps, former aussi des animateurs de chez nous pour pouvoir faire en sorte que l'éducation populaire, qui dans les années 60-70, chez nous, mais avant dans les villes hexagonales, était plus vivifiante, plus forte, et ça, il faut continuer. J'ai lu dans un journal qu'on nous critiquait parce qu'on était allé en mission à Issy-les-Moulineaux. J'encouragerais, moi, à ce qu'on aille au-delà. Mais oui, Issy-les-Moulineaux est une ville où, si on veut regarder, on regarde toujours plus haut. Hein. Moi, en général, si j'ai envie d'essayer de danser à nous dans une émulation, ce n'est pas les plus faibles que me regardent. Ce n'est pas en division inférieure, c'est en haut. Parce que là, on a véritablement les exemples. Et les exemples, c'est ça, bien sûr, ils ont un vécu de 30-40 ans de plus que nous. Et tout à l'heure, on a vu que nous l'avons voulu une chose, surtout quand on s'est mis sur les créneaux d'activités périscolaires dans les vacances, c'est d'aller sur les petites vacances et de ne pas entrer en concurrence avec le dispositif existant pour nos associations. Parce que Saint-Joseph fait partie des communes qui ont un tissu associatif assez bien développé. Il y a un certain nombre d'associations de quartier œuvrant dans la culture, le sport, l'éducation populaire, qui travaillent et qui mènent déjà des expériences. En clair, demain, nous aimerions que notre PEDT puisse être à la fois mené par, j'allais dire, notre régie d'animation, mais également et surtout par les associations qui, à ce moment-là, se mettraient et se mêleraient avec nous pour poursuivre donc les actions existantes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que, tout simplement, ça préfigure demain peut-être la volonté que nous voulons véritablement imprimer sur les projets qui sont devant nous, et nous trouvons que n'était pas le bon moment pour couper cela. Enfin, je répéterai une phrase que Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Marie-Claude Payette, c'est ça, hein, lors de la réunion que j'ai tenue avec les enseignants pour leur dire, après notre tournée et notre analyse sur quoi on part, quand on avait dit qu'on concédait d'aller sur la semaine des 4 jours officiels, elle rappelait des chiffres pour nous dire que dans les pays nordiques et aussi en Allemagne, on était à peu près à 180 jours, plus de 180 jours d'école par an. Et qu'avec cette semaine des 4 jours officialisée en France, on serait, nous, aux environs de 140, 142, c'est ça ? Hein ? Voilà. Alors, comme certains sur un autre terrain, mais alors, je vous prie vraiment de ne pas prendre ça en comparaison, mais parce que comparaison n'est pas raison, mais enfin, si on fait pour l'un, il faut faire aussi pour l'autre. Comme certains nous ont tellement rabâché pendant plusieurs années
que ce n'est pas en travaillant 35 heures qu'on va faire mieux que des pays qui travaillent 45 heures, souffrez que ce soir, je vous dise quand même que ce n'est peut-être pas en travaillant moins et en faisant moins travailler nos enfants à l'école, à raison de 140 jours, que l'on fera mieux que les pays nordiques qui sont déjà bien avancés, européens bien sûr, et l'Allemagne qui, eux, sont à 40 jours de plus par nous, que nous. Bon, et puis, si tu veux faire le petit essai, je ne sais pas, mais sur mon calendrier, moi, il y a 365 jours dans l'année. Hein. Si je divise par deux, il y arrive aux 180 à peu près des pays nordiques en question, il ne fait pas 140. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Rivière. Juste par rapport à cette intervention, effectivement, le nombre de jours est un fait, mais le nombre d'heures journalières, c'est vrai que c'est une problématique aussi. Il y avait juste un point aussi, je dirais, sur lequel vous avez attiré l'attention, sur le cycle 3, donc, qui était moins représenté. On va dire, les sons de la cloche, vous m'excuserez un petit peu, on va dire, cet aparté, même si je suis très attaché à la laïcité. Je pense que par rapport au mercredi, au niveau du cycle 3, on risque à nouveau de retrouver, on va dire, une différence sur la journée du fait de l'engagement aussi de certaines familles. Donc je pense que c'est une donnée au niveau des activités sur lesquelles il faudra aussi tenir compte, puisque je pense que le public se retrouvera peut-être plus effectivement sur les classes de maternelle et, on va dire, les premières classes du cycle 2. C'est pour ça aussi qu'on a fait les demi-journées. C'est pour adapter. Alors, Madame Claire Lebon l'a dit tout à l'heure, on peut avoir les journées, selon les options que les parents portent hein, avec leurs enfants, les journées ou bien le matin ou l'après-midi. Tout à fait. Et pour compléter, on interrogera aussi les enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Les familles participeront à l'écriture du projet pédagogique. Donc, c'est toutes ces informations qui nous permettront d'être au plus juste, d'être au plus près, en tout cas, de leur souhait. Bien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que un grand laïc peut tout à fait être un croyant. Mais il s'arroge le devoir de respecter les croyances des autres, sans que ça déborde trop. Bon, pas d'autres questions. Vous avez compris, en tout cas, on ne peut pas, nous, vous apporter des réponses à des questions, comment dire, qui nous amènent sur des terrains qu'on n'a pas encore expérimentés. Tout le monde a compris qu'on est dans un exercice nouveau. Autant le précédent, eh bien, nous convenait parce que nous avions travaillé dessus. Quand on décide, M. Rivière, d'aller faire un bassin d'apprentissage et d'orientation à Gentilly, et que de vouloir le faire à la Crête et à Oliane, c'est pour regrouper 11 écoles, des hauts, où nous avions testé avec l'inspection qu'au sortir du CM2, il y a 4 ans, 5 ans de cela, 8 marmailles sur 10, ils ne gagnaient pas nager. Donc on se disait, on est en cohérence. Et les associations nous proposaient cela et on pouvait répondre. Quand en plus, sur l'utilisation de la structure, les seniors nous disaient, ben, nous on peut faire de l'aquagym, etc., sous ces structures qui seraient couvertes et où l'eau serait chauffée, ben, voilà le type d'investissement où on le faisait par rapport à une population qui allait véritablement adhérer. Mais quand aujourd'hui on nous dit que... Parce que tout le monde a compris, pourquoi nous faisions les après-midi? Parce qu'un animateur, il pouvait intervenir sur une école A le lundi, une école B dans un autre quartier, par exemple, le mardi, une école C le jeudi, une école D le vendredi après-midi. Et ben maintenant, puisqu'on ne peut plus, puisqu'il faut masser, tout le monde va comprendre que si on masse sur les 4 jours institutionnels, ben on ne pourra que rajouter en fin de journée ce que nous avions refusé à l'époque. Parce que notre refus de départ, ce n'était pas parce qu'on voulait faire différemment. C'est parce que justement, sur le plan natation, quand on avait mesuré, nous avions dit, si nous prenions Marmaille et la Crête pour venir faire de la natation à Saint-Joseph, sur les 3 quarts d'heure qui restaient en fin de journée scolaire, ben, quand lui arrivait en ville, tu es déjà tendre à billet à lui pour remonter. Hein. Donc, voilà. Mais bon, pas pour autant que nous doit laisser à nous abattre, comme dirait Créole Lacour. S'il n'y a pas d'autres questions, on met au voix, ça, on doit adopter, c'est notre... Hein. Bien, je mets au voix, qui est contre? Qui s'abstient? Personne.
Merci, merci Madame Claire Rivière-Lebon. Voilà. Non, mais c'était deux noms. Et nous allons donc passer au point suivant. Positionnement du point le plus austral des départements français du territoire de l'Union européenne, secteur de l'Angevin. Monsieur Christian Landry et Monsieur Mohamed Jaffar. Christian. Bien, je vais ouvrir le débat. C'est certainement parce que c'est le rendage qui le veut. Cette affaire de la pointe date déjà, l'idée n'est pas neuve. Elle a fait son chemin et enfin, elle voit le jour avec cette initiative qui est de faire marquer de manière officielle le point donc le plus austral des départements français et de l'Union européenne. Il a fallu prendre une phrase un peu alambiquée parce que ce ne sont pas que les départements, ce n'est pas que la France, ce n'est pas que l'Europe, il y a aussi d'autres territoires qui dépendent de la France et qui sont plus australes, notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais pour faire simple, si on met département français et Union européenne, on est tout bon, c'est nous qui sommes les plus près du pôle sud. Vous avez une photo de cette pointe. Alors, vous avez peut-être vu dans la note, parfois l'expression pointe de Langevin et parfois pointe Langevin. Ce n'est pas une faiblesse de style, c'est une volonté. L'IGN, traditionnellement, avait créé un nom géographique sur ses cartes officielles qui s'appelait pointe de Langevin, comme on avait la pointe Aucel, la pointe Dura, la pointe de ceci, la pointe de cela. Ça, c'est le terme officiel. Mais quand on est à Saint-Joseph et à Langevin en particulier, on va à la pointe Langevin. Donc, pour ce qui est de notre appellation locale, nous garderons sur les cartes de randonnée, sur tout ce qui n'est pas très officiel, le terme de pointe Langevin. Ça sera aussi celui qui sera adopté sur la signalisation qui conduira à ce point-là. Deux mots sur le site. Il est juste après les fils à eau d'un espace que les vieux pêcheurs appelaient Saviac. On n'a jamais su trop d'où venait ce Saviac. Le vieux monsieur Alazzo disait, son papa qui était pêcheur, il disait « ça va à Saviac » parce que ça pétait un bon peu. Peu importe. L'IGN avait gardé, vous le trouvez sur certaines cartes, le carreau de fil à eau devant, c'est Saviac. Là, nous sommes devant. Et vous voyez, les roches sont aiguës, parce que tout simplement, c'est certainement à Saint-Joseph la coulée la plus récente. Figurez-vous que cette coulée qui vient du Chisny est plus jeune que Charlemagne. Charlemagne était mort depuis un siècle lorsque cette pointe s'est créée. Alors la roche, elle est encore telle qu'elle s'est refroidie, très aiguë. Et si jamais vous allez sur les roches, vous verrez combien elles sont coupantes et acérées. Parce qu'elles sont toutes jeunes, 1000 ans. D'un point de vue géologique, c'est hier. Donc notre pointe, 21 degrés sud, 23 minutes 23 secondes, donc 21-23 deux fois, c'est facile à retenir. Ça sera dorénavant le point géodésique officiel qui sera marqué par une borne officielle, comme tous les points géodésiques. Les avions s'en serviront, les bateaux s'en serviront, enfin, ça fera partie du géosystème total. Et nous avons l'intention, nous sommes en train d'aménager un espace pour que les touristes qui seront guidés par une signalisation depuis la nationale
et aussi sur le chemin qui court, que vous apercevez là, qui court dans la verdure, eh bien, ici, il y a un petit triangle, il y a le stade est par là, et donc, dans cet espace, sous les arbres, il y a de quoi faire un lieu pour que les touristes puissent s'approcher sans trop de danger de cette pointe Langevin. Et puis, ma foi, on peut espérer que pour une fois qu'on ne regarde pas les montagnes à La Réunion, parce que La Réunion a plutôt le dos tourné à la mer, on peut espérer que les visiteurs, les Saint-Josephois, les futurs mariés, ben, regarderont devant eux monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. C'est Heredia qui l'a dit. Merci. Bien. Chers collègues élus, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez mis la barre très haute, mon cher collègue. Comment voulez-vous que j'intervienne après cela? En tout cas, c'est délicat. Moi, je vais tout simplement faire simple. Mesdames et messieurs, devant vous, vous avez la plus belle pointe de La Réunion. La pointe de Langevin. Et disons-le franchement, si certains réunionnais ont du mal encore à venir sur Saint-Joseph, eh bien aujourd'hui, on peut dire que Saint-Joseph, par cette pointe de Langevin, a été tout simplement mis en rouge, mais un joli rouge, pour que les uns et les autres puissent enfin se dire, ben, donc Saint-Joseph, les dards, allons faire un carré. Manapani, Langevin, le curcuma, Grand Coude, eh bien Saint-Joseph aujourd'hui s'enrichit, ni plus ni moins, donc d'un atout majeur, d'un atout touristique majeur, qui... espérons-le, de toute façon, ce travail a été aussi fait dans ce sens, eh bien, que cet atout puisse attirer des dizaines et des dizaines de réunionnais qui viendront faire, comme on dit, des photos, mais aussi ceux ou celles qui viendraient de l'extérieur sur le point le plus au sud de France et d'Europe. Eh bien, pour ce faire, effectivement, il y a eu un gros travail de fait avec l'ensemble des équipes, mais aussi, comme on le dit, donc pour officialiser cette singularité, donc une collaboration avait été engagée et est engagée donc avec l'Institut Géographique National, donc l'IGN, mais aussi avec le réseau Teria, qui est donc un groupement de géomètres pour la matérialisation du point par la pose d'une borne sur le cap concerné, pour la mise en place d'un totem directionnel d'information du public et enfin pour la mise en place de deux bornes au niveau de la route nationale 2, à la perpendiculaire de la pointe Langevin, à l'attention des touristes et usagers de la route, et enfin avec la maison du tourisme qui a réalisé un aménagement paysager pour l'accueil des personnes, donc des touristes qui viendront également visiter le site. Alors la reconnaissance de la pointe de Langevin comme site le plus austral des départements français de l'Union européenne, je suis chauve, mais aujourd'hui chauvin et fier de dire que c'est la plus belle pointe de Langevin, allez-y partout. Donc la plus belle pointe de La Réunion, la pointe de Langevin. Et donc là-dessus, vous dire que pour nous, c'est un vecteur de communication très fort et représente encore une fois une belle opportunité pour le développement touristique de la commune. Encore une fois, allez-y partout. Merci. Bien. Y a-t-il des interventions souhaitées sur ce point? Deux? Je ne relèverai pas. Bon, la Poste nous a fait savoir qu'elle est d'accord donc pour le timbre qui viendra au temps de l'officialisation qui est prévu donc la semaine prochaine. Je crois que le terme permet l'encadrement de principes clairs, c'est que d'aucuns pourraient nous dire que ben, les terres australes n'est plus au sud, mais ce sont des terres qui sont sous protectorat français et où on n'y vit pas. Christian a précisé tout à l'heure pour
la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas un département français, qui n'est pas donc un territoire européen, au sens institutionnel du terme. Et donc, dans l'encadrement, c'est ça. Enfin, on me rappelle quand on y partait l'école, nous n'avions notre livre de géographie qui montrait bien la carte de la Réunion, là au moins était fixe, et puis n'avait la maquette. Et un jour, je disais à un copain à la fac qui habitait Saint-Philippe que moi, comme l'impression qu'il faut faire croire que c'est chez autres, il baissait la maquette de ce côté-là. Je n'avais pas tout à fait tort, parce qu'en effet, ce n'est pas Saint-Philippe comme on nous l'a fait croire très longtemps qu'on a la pointe la plus au sud, mais bien chez nous. Bon. Après, ce n'est pas par chauvinisme, puisque c'est l'IGN et TAIA que l'a authentifié. C'est bon tout simplement de savoir, on est peut-être dans ce siècle-là, qui nous permet justement de pouvoir l'acter. Et je pense que c'est quelque chose d'important, au même titre que quand on va au Cap, je crois, en Afrique du Sud, pour voir la rencontre des deux grands océans. Eh bien, ils ne voient pas grand-chose, hein. Ils ne voient que de la mer, que du bleu. Mais ils voient quand même une plaque, un cap, une borne, et des amoureux en voyage, des jeunes mariés, des gens qui veulent découvrir, etc., se situent à ces endroits-là. Et c'est en effet un élément touristique ou de communication intéressant et important. Pas de questions ? On va mettre aux voix, il faut que je vous lise l'intitulé précis. Il vous est demandé de valider cette démarche en vue d'acter le positionnement géographique du point le plus austral des départements français du territoire de l'Union européenne et d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien. Affaire numéro 3. Mohamed Jaffar va perdre l'élan puisque c'est à nouveau lui qui va présenter ce dossier sur l'association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph. On traitera de l'adhésion de la commune et la désignation du représentant de la commune. Bien. Alors, faire du centre-ville un centre commercial à ciel ouvert, c'est l'un des projets donc portés par la collectivité. Pour y parvenir, différentes clés de succès ont été identifiées, parmi lesquelles la mise en place d'un outil de gestion. Aussi, en accord avec nos partenaires, il a été proposé la création d'une association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph. Cette association est composée de 7 membres, la commune de Saint-Joseph, la communauté d'agglomération du Sud, l'association des commerçants, la chambre des commerces et de l'industrie de la Réunion, la chambre de métiers de l'artisanat de la Réunion, le conseil du commerce et des services de la Réunion et enfin la société Excellence. Par ailleurs, l'État et la région souhaitent accompagner cette initiative à travers un soutien financier. Pour mener à bien sa mission, l'association recrutera donc un manager de cœur de ville qui assurera la fonction de directeur de l'association. Il aura pour mission de coordonner le projet global de redynamisation du cœur de ville. Le périmètre d'intervention de l'association est défini comme suite, c'est-à-dire un périmètre prioritaire. Donc c'est au niveau du cœur de ville, entre la rue Babé et le pont de la rivière des Remparts, la ravine de Gentil de l'autre côté, la rue Général de Gaulle et la rue Lecomte de Lille, et un périmètre donc restreint qui, on pourrait donc parler du ring à ce moment-là. Afin d'accompagner cette démarche et d'encourager le développement et la redynamisation du cœur de ville, il est donc demandé d'approuver l'adhésion de la commune à l'association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph et le versement d'une cotisation annuelle de 2000 euros, de désigner un représentant de la commune au sein de l'association, d'approuver le projet des statuts de l'association ainsi que la convention d'objectifs et de moyens, d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Donc, voilà, nous vous invitons à délibérer. Question ? Monsieur Rivière. Par rapport à cette affaire, donc, puisque nous devions statuer sur le projet des statuts, donc j'en avais fait la demande et je remercie vos services de m'avoir communiqué donc ce projet de statut. J'avais juste un questionnement sur la formulation au niveau des membres, puisque dans les statuts, donc c'est précisé que l'association est composée de personnes physiques ou morales. Son membre, donc la commune de Saint-Joseph, est directement donc représentée par son maire en exercice. Donc est-ce que ce libellé dans les statuts ne gèle pas en fait la participation des membres, puisque ouais.
Vous faites... Voilà, c'est pour ça que j'ai que d'habitude la formulation prévoit où sont représentants mandatés. Où sont délégués, où sont représentants. Voilà, mais là, sur le statut, et c'est pareil, je dirais pour la CAS Sud, pour l'Association des commerçants, à la limite, on peut dire son président en exercice, mais pareil pour la Chambre de commerce, des métiers, etc. Donc, je veux dire, le libellé par rapport au statut, je voulais juste attirer votre attention sur peut-être le côté un peu réducteur qui, du coup, pourrait poser souci sur la désignation au niveau du Conseil, même si ce n'est pas, je dirais, une problématique à notre niveau, mais pour être vraiment dans les clous. Le copier-coller n'est jamais bon. Et c'est votre précision est tout à fait bonne, d'autant plus que je veux proposer que ce soit M. Mohamed Jaffar qui soit notre représentant ici. Et mes collègues me demandaient de suggérer au président Tienakoun, je pense qu'il aime bien tout le territoire de la CA Sud, mais il doit, sans préjuger de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, mais je pense qu'il a suffisamment... chose au tampon, il nous a déjà dit, donc dans le cadre, on prendra quelqu'un de Saint-Joseph pour représenter donc le président de la CA Sud au sein de cette association. On me faisait savoir l'autre jour qu'il y a des chances qu'on propose le nom du premier vice-président qui se trouve être le maire de Saint-Joseph, donc moi je crois que nous sommes en séance pour décider, donc changeons les termes, mais accolons à tout cela où sont représentants. OK ? Ça vous convient, monsieur ? Et merci d'ailleurs de cette remarque. Je ne vais pas tester pour voir qui a lu les statuts, parce que je suis le premier à être passé vraiment. Oui, allez-y. Ah bon. Sur la forme, mais sur le fond, c'est vrai que l'implication, puisque donc cette association donc implique le groupement donc Excellence, donc qui va mener, on va dire, tout l'implantation sur la ZAC Les Terrasses, et c'est vrai que l'inquiétude des commerçants était justement avec ce pôle qui se mettait donc à l'ouest de la ville, de ne pas perdre en attractivité, et je pense qu'effectivement la mise en valeur des commerces par rapport à l'implication aussi de ce nouveau centre avec un acteur qui est vraiment engagé là, je l'espère, apportera des solutions donc intéressantes pour notre centre-ville qui donc doit faire battre aussi l'économie de Saint-Joseph. Et du coup, ça, c'est en relation aussi avec une affaire 20, je crois, qu'on verra plus tard. Et au niveau des délégations, vous parliez tout à l'heure de mission sur ici les Moulineaux, etc. Mais il va de soi que dans ce cadre-là, il est normal que l'on puisse aussi voir ce qui se faisait ou ce qui se fait, je dirais, dans d'autres villes. Et je dirais, dans l'intérêt de Saint-Joseph, nous ne pouvons donc que suivre sur ce dossier. Merci de cette précision, ces précisions sur cette question. Mohamed, c'est bon ? Je ne vois pas bien. Pourtant, je ne suis pas loin de la lumière. Non, mais... Toi, tu es assez lumineux. Il y a un appareil qui nous cache. Un peu plus, j'ai peut-être un halo aussi sur la tête. Donc, pour juste dire à Monsieur Rivière qu'il a ouvert déjà, je dirais, une porte sur la suite de notre rencontre du Conseil de ce soir. Et effectivement, on est ancré donc dans cette dynamique depuis plusieurs années. Et c'est vrai que l'implication de cet acteur est on ne peut plus important aujourd'hui pour nous, pour l'ensemble des commerçants également. Et encore une fois, c'est fortement qu'on espère, en tout cas, que c'est les commerçants du centre-ville qui, pour la plupart aujourd'hui, ont raccroché donc à ce wagon donc de redynamisation. Et il faut vraiment espérer donc l'adhésion de tous. Et au niveau du FISAC et du plan de rénovation de façade, on est vraiment bien avancé. Et donc, on attend encore quelques semaines donc, pour lancer enfin les premiers dossiers pour que les commerçants puissent enfin bénéficier donc, de cette aide de l'État, bien sûr, de la municipalité et des autres partenaires là-dessus. Mais on aura l'occasion justement d'approfondir, je dirais, sur notre dynamique dans quelques instants. D'autres interventions ? Bien, c'est là-dedans qu'on doit proposer donc, le nom de notre représentant. Je
propose le M. Mohamed Jaffar. Vous voyez, pas d'inconvénient. Donc, tous les points proposés et énumérés donc, sont à mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, l'association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph est créée. Nous y avons donc voté l'adhésion de la commune et la désignation de M. Mohamed Jaffar comme étant notre représentant. Bien. Nous allons maintenant passer à l'affaire 4, une des affaires aussi importantes que je vous avais que j'avais énumérées à l'entame de ce conseil. Je vais demander à monsieur le directeur général adjoint David Rivière, mais également directeur de l'aménagement et du développement urbain, de se joindre à nous à table. Bien. Et nous allons dans un instant faire intervenir, et je crois que dans le déroulé, il est prévu que monsieur Harry-Claude Morel, hein, après donc mon introduction et ma présentation, intervienne, de même que monsieur Henri-Claude Huette. C'est mon papier, ça ? Voilà. Bien. Vous avez compris, nous sommes entrés donc sur le dossier affaire numéro 4, révision générale du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme. Il s'agit de trois sous-points. Retrait de la délibération du 5 octobre 2017 qui arrêtait le PLU. La reprise de la procédure d'élaboration du PLU et la réouverture de la concertation du public. Je voudrais d'abord, mes chers collègues, vous faire le rappel de la séance du 5 octobre 2017 relative à l'arrêt du projet de PLU. Le Conseil municipal a approuvé en cette séance du jeudi 5 octobre 2017 l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Ce document très attendu remplacera le plan d'occupation des sols qui aujourd'hui n'est plus adapté à la situation de la commune et à ses perspectives d'aménagement. Rappelez-vous de cette séance du Conseil municipal pour l'arrêt du projet de PLU. Cela a donné lieu à une traduction concrète du projet pour lequel nous avions été élus par les Saint-Josephois. Il faut dire que la présentation était longue et passionnée, car cette étape du PLU concluait de nombreuses années de travail et surtout notre démarche de vouloir communiquer de manière large sur le PLU et à prendre en compte la réalité du terrain. Lors de cette séance, nous avons dû aussi admettre que l'exercice de l'élaboration de ce PLU, aussi passionnant soit-il, n'en demeurait pas moins très complexe. Le travail a été long, car marqué par une période d'interruption entre 2012 et 2016 correspondant au temps des travaux de révision du plan de prévention des risques, PPR, engagé par les services de l'État. Le PPR s'imposant au PLU, il nous a semblé pertinent de faire converger les deux procédures, d'autant plus que ce document nous a été imposé depuis 2005, rappelez-vous, et il venait gréver notre potentiel de constructibilité d'au moins 96 hectares. Nous rappelons également que tout au long de ce travail, nous avons souhaité vivement faire une large place à la concertation à la fois avec la population, mais aussi avec les PPA, c'est-à-dire les personnes publiques associées, que sont les services de l'État, la région, le conseil départemental, les chambres consulaires, etc. Des rencontres et des échanges réguliers avec les sous-préfets successifs et les services ont eu lieu afin d'apporter des améliorations à notre projet. À l'issue de cette séance du Conseil municipal, le projet de PLU arrêté a été soumis sans attendre à l'avis de ces PPA, personnes publiques associées, à l'autorité environnementale et aux différentes commissions, le CDNPS et le CDPNAF, l'un pour les espaces naturels, l'autre pour les espaces agricoles. Dans le cadre de cette consultation, nous devons faire face aujourd'hui à une nouvelle difficulté liée à la procédure d'élaboration du PLU. Nous avons reçu un avis réservé du préfet sur notre projet. Toutefois, à la lecture des réserves émises, nous déplorons que certaines de ces réserves soient éloignées de nos réalités de terrain et relèvent souvent
d'un non-sens. Ces contradictions avec nos réalités peuvent être présentées comme un inventaire à la Prévert. Il s'agit, par exemple, et là, je suis dans la présentation des réserves de l'État, grand A, des réserves relatives aux extensions urbaines. En matière d'extension urbaine, 1. Pour la polarité du grand centre-ville, pour faire simple, tout ce qui s'inscrit à l'intérieur de la contournante, quand elle sera terminée. Pour la polarité du grand centre-ville, donc, les surfaces d'extension urbaine accordées ne sont pas à la hauteur de notre projet urbain, dont l'ambition est de se positionner en tant que pôle d'équilibre du Sud. C'est le SAR qui nous recommande, depuis 2011 notamment. Cette réserve va ainsi à l'encontre du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui préconise une intervention massive sur le grand centre-ville avec des efforts de structuration et de densification. 2. Dans ces réserves relatives aux extensions urbaines, pour compenser les faibles surfaces accordées par le SAR, pour les extensions urbaines, nous avons souhaité mettre en place une stratégie de récupération des surfaces provenant de certains espaces non artificialisés devenus inconstructibles par le PPR. Cette stratégie augmentait les surfaces pour les extensions urbaines d'environ 15 hectares. Aujourd'hui, cette stratégie n'est pas retenue par les services de l'État qui, in fine, ignore l'impact positif des travaux menés sur l'élaboration du nouveau PPR. Ah oui, c'était même à l'invitation de l'État, qui nous disait que comme vous avez perdu 96 hectares, on reconnaît qu'on a eu la main un peu lourde, donc on vient réviser avec vous, avec le, comment ça s'appelle, le BRGM, et la DEAL, on est allé à de multiples reprises en visite sur le terrain, et ils ont dit, on est d'accord pour que vous récupériez des zones en zone constructible, et c'est monté à 30 hectares de vide, c'est ça ? En gain net, voilà. Donc, cette réserve n'est pas pertinente dans la mesure où la révision du PPR a été menée conjointement avec les services de l'État, a constitué la raison du report du calendrier du PLU, et oui, sinon, nous, notre PLU n'était fini de faire adopter depuis 2012, d'accord ? Et qu'elle a été l'opportunité d'ouvrir des perspectives positives pour le territoire, c'est ce que je viens de vous dire. 96 de perdu, 30 pouvant être récupérés. Troisième point concernant les réserves relatives aux extensions urbaines. Les services de l'État relèvent que des secteurs d'extension ne respectent pas le schéma d'aménagement régional, le SMVM, le schéma de mise en valeur de la mer, et la loi littorale. Je vous rappelle quand même que la loi littorale était faite pour un continent, l'Europe. Un continent géographique. Et à ce que je sache, la Réunion ne fait pas partie du continent géographique européen. Ah, dites-moi hein, si je perds la boule. Il faut dire qu'ils ont une lecture stricte des prescriptions du SAR et du SMVM. Mais d'une manière générale, il est important de rappeler que l'échelle du schéma d'aménagement régional, qui est le 1/100 millième, et celui du PLU, qui est du 1/4 millième, sont totalement différentes. Ben oui, on ne lit pas sur les mêmes échelles. Le SAR est à l'échelle du territoire réunionnais, tandis que le PLU est à l'échelle de la commune, qui, basée sur le cadastre, est pouvant être amenée à l'échelle d'une parcelle. Cette différence d'échelle laisse ainsi à la collectivité une marge de manœuvre pour la localisation des différentes opérations d'aménagement. D'ailleurs, pour l'élaboration d'un PLU, il est demandé d'appliquer non pas un principe de conformité du PLU au SAR, mais un principe de compatibilité. On vous parle souvent de l'épaisseur du trait. D'accord ? Donc nous sommes totalement dans cela. Une autre réserve. En effet, le SAR a vocation à encadrer le PLU et non pas à le substituer, en particulier sur le plan de la délimitation cartographique des espaces. Le SAR reste à un degré moins poussé que le PLU. Une autre réserve, la quatrième, porte sur les extensions à vocation économique dans les hauts. Dans le début des travaux sur le PLU, la collectivité a toujours affiché sa volonté de développer des zones d'activité dans les hauts afin de répondre aux besoins de structuration de ces quartiers. Ce n'est pas moi qui l'a fait, implanter l'abattoir Duchemin, Gondin dans les hauts. Est-ce que c'est une hérésie ? 110 personnes y travaillent du quartier de là-haut. Moi, s'il y avait plein de monde y gagnait fait à ça, j'aurais été le maire le plus heureux, hein, parce qu'on aurait reçu le moins de personnes possible. Parce que la réponse aux demandes d'emploi se fait. Eh bien,
en ayant repéré que nous l'a eu un positionnement intelligent, on s'est dit qu'autour de cet abattoir, on voulait faire une des zones d'activité artisanale des Hauts. Eh bien, en considérant que ces initiatives auraient de fortes retombées socio-économiques et environnementales, et que nous étions conformes à la loi Grenelle, déplacez-vous le moins possible et faites moins déplacer les populations, eh bien, aujourd'hui, cette stratégie communale en matière de développement économique dans les Hauts n'est pas retenue par les services de l'État. On a créé le GAL Grand Sud pour les Hauts du Sud. On nous parle, c'était dans le programme de bien des candidats, n'est-ce pas, M. Guézelot, que les Hauts, c'est la cinquième région, de micro-région de la Réunion. Tout le monde l'a repris, on est d'accord. Eh bien, nous voit aujourd'hui qu'elle n'est pas retenue. Donc ça, c'est sur les réserves relatives aux extensions urbaines. 4. Les réserves relatives à la mixité sociale en matière d'habitat. Les services de l'État considèrent que les emplacements réservés, les ER, pour la réalisation de logements aidés situés dans les Hauts ne sont pas pertinents et ne pourront pas bénéficier d'une aide financière de l'État. Vous voyez où je veux en venir, là, M. Rivière, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les écoles ? Ben, si on ne fait plus de logements sociaux dans les Hauts, et si on ne donne pas aux gens la possibilité d'avoir une constructibilité sur ce terrain, ils vont aller où ? Dans les bas. Et après, on posera quel problème demain ? Qu'on a trop de monde sur le littoral, qu'on a désertifié les Hauts, et que par voie de conséquence, on crée de la délinquance, on massifie, on densifie, on ne répond pas aux critères que l'on a toujours portés. Et puis moi, qui suis défenseur de la ruralité, eh bien, je suis désolé, je veux dire que là-dedans, ce n'est pas une question d'établir un bras de fer, mais c'est une question quand même de faire valoir que nous avons une identité et qu'il faut défendre. Cette réserve est aussi valable pour la réalisation des opérations projetées en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité de ces quartiers, centre-ville, Cayenne, Butor, Lesquay et Langevin. Cette réserve remet en cause notre politique de l'habitat, qui consiste à la programmation d'au moins une opération de logement aidé à l'échec de chaque quartier. Dans cette politique, l'importance est donnée à l'individu qui n'est pas déraciné de son quartier, de son réseau familial. En résumé, en ville, à Langevin et dans les Hauts, il nous est exigé de ne pas construire de logements aidés alors même que nous avons une obligation de produire globalement 200 logements sociaux par an. Il est important de prioriser les interventions en tenant compte de la spécificité de notre population qui en grande partie est issue des territoires des Hauts. Ainsi, à Matouta, à Jacques Payette, à la Crête Premier Village, à Bélair, dans les Hauts-des-Lianes, nous n'aurions pas le droit de faire des lotissements sociaux pour les plus humbles de notre population. Voilà l'une des réserves de l'État concernant la mixité sociale. Moi, je trouve que je suis et que nous sommes en logique. Troisième grand C, les réserves relatives aux espaces agricoles et naturels. Pour la protection des terres agricoles, nous souhaitons revenir sur un point très spécifique de notre projet de PLU. La délimitation de stécal. Stécal, c'est un terme qui vient de l'Hexagone et qui veut dire secteur de taille et de capacité d'accueil limité, que nous avons tout simplement dénommé, nous, en ce qui nous concerne, zone ABA, c'est-à-dire agricole bâtie. En tant qu'expert de notre territoire, élus, techniciens, habitants, nous sommes confrontés à la présence de poches habitées, souvent très anciennes, situées en pleine zone agricole. C'est une réalité que nous avons proposée au service de l'État de ne pas ignorer. Eh bien oui, c'est comme ça. Là où il finit de bâtir, il ne revient plus en général en agricole. Mais s'il ne veut pas faciliter ce mitage, et s'il est existant depuis un certain nombre d'années, peut-être que nous pourrions justement au plus près délimité pour ne pas avoir demain à amener des réseaux avec et faciliter justement le mitage d'autres propriétés. Ainsi, dans le projet de PLU arrêté, nous avons fait le choix de les inscrire en tant que stécal car il n'existe pas d'autres dispositions plus adaptées à la situation. Les zones ABA, proprement parlées, n'existent pas. Précisément dans le projet de PLU, nous avons distingué trois grandes catégories de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée de stécal. La première catégorie, certaines zones NB du POS actuel basculent en zone ABA au lieu de bénéficier d'un zonage urbain.
La loi, ils disent à nous que désormais, toutes les zones NB, ils passent en zone urbaine. Le problème, c'est que si on fait ça à la crête ou dans les hauts, il n'y a plus un élevage qui pourra se faire demain à cause du règlement qui se mettra en place. Ça deviendra des zones urbaines et non plus des zones agricoles. Donc, certaines zones NB du poste actuel basculent en zone ABA. Elles sont au nombre de 9 pour une surface de 11 hectares. Notre choix a été dicté par deux principaux éléments. La volonté de préserver l'activité agricole de ces zones, alertant sur son véritable caractère rural et non résidentiel, afin d'éviter des conflits de voisinage entre maisons d'habitation et élevage notamment. Conflits que Nounana a à l'appel aujourd'hui dans nos archives et même dans nos actualités de contentieuses de la DADU, de la Direction de l'Aménagement et du Développement Urbain. Également, la volonté d'alerter sur l'insuffisance des réseaux et de ses problématiques de financement. La première catégorie, donc, c'était ces zones NB du POS qui passent en zone ABA. La deuxième catégorie, ça a été la création de 18 zones ABA représentant une superficie de 26,6 hectares. La troisième catégorie, c'est 3 zones, non pas ABA, mais NBA, naturelles bâties, pour 6,4 hectares. En tout, ce sont 30 STECAL, 30 secteurs de taille de capacité d'accueil limitée, d'une surface de 44 hectares, soit environ 1% de la surface agricole. Ces zones ABA sont en grande partie rejetées par les services de l'État. Il en est de même des zones naturelles touristiques, NTO, destinées à réalisation de projets touristiques. Pour conclure sur cette liste de réserves confuses de l'État, nous vous rappelons qu'en délimitant ces STECAL, il ne s'agit en aucun cas pour nous d'ouvrir à l'urbanisation, je vous disais tout à l'heure, à l'urbanisation de nouvelles zones, mais de prendre en compte la réalité de notre territoire, de prendre en compte ce maillage très fort de l'espace résidentiel et de l'espace agricole. Les écarts des hauts de la commune de Saint-Joseph ne sont pas comparables à ceux des communes très urbaines, car ils n'ont ni la même réalité, ni le même sens. Nous croyons pouvoir dire que c'est cette ruralité héritée, très spécifique au territoire de la commune, qui nous confère de facto un caractère exceptionnel. Je vous avais dit que je faisais les présentations des réserves de l'État. Eh bien, en face, voilà les propositions que nous l'ai amené à faire pour retirer le projet de PLU qui est arrêté le 5 octobre 2017. Vous ne pouvez pas faire autrement puisque vous emmène des réserves dessus. Alors, m'a détaillé deux points. On y croit qu'il faut d'abord un nouveau dialogue avec les services de l'État. Bien que nous ayons engagé un nouveau dialogue avec les services de l'État pour apporter toutes les justifications de notre projet, ces différentes réserves vont probablement induire une évolution du projet de PLU dans ses différentes composantes. Afin de répondre au mieux sur les ajustements demandés et donner plus de lisibilité aux modifications qui pourraient s'avérer nécessaires, nous vous proposons de faire le choix de retirer la délibération arrêtant le projet de PLU, donc celle du 5 octobre 2017. Des points sur la reprise de la procédure et le calendrier. M. Harry Morel et M. Henri-Claude Huette reviendront sur les deux éléments. Dans ce cadre, la procédure de révision se poursuivra. Un nouvel arrêt du projet sera ainsi soumis au Conseil municipal. La principale conséquence de ce retrait est la réouverture de la concertation avec les mêmes modalités prévues par la délibération de prescription du 30 novembre 2007. Un bilan complet de la concertation sera tiré avec l'arrêt du nouveau projet de PLU. Enfin, vous l'aurez compris, l'adoption définitive du PLU sera de ce fait retardée de quelques mois et n'interviendra qu'à la mi-2019, du fait de l'État. Et certaines personnes vous rappelleront dans un instant les retards que nous avons pris. C'est du fait de qui, hein ? Chacun doit assumer. La procédure d'élaboration du PLU ne sera pas aboutie à la date du 26 septembre 2018. C'était la date couperet. Le règlement national d'urbanisme, le RNU, s'appliquera jusqu'à l'adoption définitive du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. Notre conclusion, c'est de vous dire que l'objectif de ce retrait est de recueillir un avis conforme de l'État et d'aboutir à une réflexion partagée. Il faut admettre que nous nous trouvons dans une situation assez complexe, car au lieu de soumettre le projet à enquête publique, nous sommes contraints de le retirer. C'était le délai que nous avions prévu pour.
Cependant, d'autres communes ont déjà vécu ce scénario, à l'instar de la commune de Saint-Benoît, je ne parle pas de celle de Saint-André, qui, comme nous, devra procéder à un nouvel arrêt, je parle de Saint-Benoît, pour prendre en compte les réserves de l'État. Voilà ce que moi, je voulais dire à ce niveau, et je laisse à notre élu adjoint délégué à l'urbanisme réglementaire, Harry-Claude Morel, le soin de poursuivre, et notre élu délégué à l'aménagement et au réseau, Henri-Claude Huette, donc de faire la suite, et on ouvrira bien évidemment au débat nos présentations et les propositions que nous faisons ce soir. Harry. Bien. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Je vais essayer effectivement de vous retracer un petit peu les différentes étapes du précédent PLU. Alors, afin d'appréhender au mieux la procédure d'élaboration du PLU, je vous propose de faire un bref rappel sur les étapes précédentes du PLU. Nous pouvons retenir deux périodes importantes. En effet, la période de 2009 à 2012. Cette première période correspond à la phase technique de l'élaboration du PLU. Il s'agissait de réaliser le diagnostic territorial, de définir le projet d'ensemble formalisé à la fois par la rédaction du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, et par un débat en conseil municipal sur ses orientations générales. Et enfin, de traduire le projet communal en règlements et documents graphiques. Une deuxième période, la période de 2012 à 2017. La révision, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, Monsieur le maire, la révision du PPR est enfin engagée fin 2012 par les services de l'État et prend fin en mars 2017. Après les explications qu'on a pu avoir donc venant du maire et de celle d'Harry Morel et certainement d'Henri-Claude Huette par la suite, moi j'aurais une petite remarque à faire et désolé d'intervenir alors que je n'avais pas évoqué avec Harry-Claude. On dit toujours qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça voudrait dire que le demain de l'État, c'est 5 ans et plus. Je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais en tout cas, ça fait 5 ans, on a perdu 5 ans à mon sens, et j'aimerais éventuellement, après que les collègues interviennent, donc évoquer ce cas de figure. Si je me trompe, il faut me le dire, mais je ne suis pas l'élu délégué à l'urbanisme ni à l'aménagement, donc je n'ai pas travaillé là-dessus. Je sais le travail qu'ils ont fourni, vous-même, avec les services, et ça commence à bien faire parce que, quand l'État nous pousse parfois pour faire des choses sur le secteur, sur les territoires, alors que même ils ne sont pas foutus de répondre dans les temps, donc ça commence à gonfler. Et les collègues, si vous n'avez pas compris, je vous le dis, qu'on a perdu plus de 5 ans sur cette affaire. Et je remercie donc le maire et Harry-Claude Morel de m'avoir laissé pousser mon coup de gueule ce soir. Mais Axel a raison, hein, complètement. Et sur cela, moi, je veux dire une chose. Certains pourraient nous dire aussi, nous étions à même de ne pas accepter ce retard de 5 ans. Mais il faut revoir la logique. Souvent, on y rappelle ça, mais peut-être que le rappeler encore une fois serait mieux. 2001, quand on y arrive, nous l'est élu. Et on est élu face à un candidat sortant qui vient de faire un POS, un plan d'occupation des sols. On dit à l'État, notre politique est quand même bien différente de celle que celui que nous a affronté, que nous a vaincu dès le premier tour. Par exemple, lui, il veut faire des logements dans les bas et ne pas en faire dans les hauts, et nous, il veut mettre sur la totalité du territoire. Par voie de conséquence, l'outil qu'est le poste n'est pas le bon pour nous. L'État nous dit qu'à cela ne tienne, on a déjà perdu pris 6 ans pour le faire, vous n'avez pas recommencé à notre poste. Donc il nous refuse, à l'époque, le plan d'occupation des sols que l'on voulait faire. 2005, deuxième cadeau. On ne demande rien à l'État, et il nous dit, avant vous, il y avait quelqu'un qui avait pris une décision avec son équipe de faire, notamment sur Grand Galet, une application anticipée du plan de prévention de risque. Maintenant que la loi la rend obligatoire, ben vous êtes désigné premier avec l'entre-deux pour l'appliquer chez vous. Deuxième cadeau, empoisonné. Bon.
décembre 2005, si je ne m'abuse, PPR. Donc nous, insatisfaits de ce PPR, dont certains n'ont pas manqué d'en faire leur chou gras politique, nous demandent d'aller prévoir donc une révision du PPR qui ne nous satisfait pas, comme le maire d'Entre-deux à l'époque le disait, etc., aussi pour son compte. Et dès l'année 2006-2007, on a demandé une révision du PPR. Alors là, moi, je suis d'accord avec Axel, mais en même temps, il correspondait aussi à une demande de notre part. Et quand on a des réponses négatives de l'État, ou bien les oreilles dans marmite-poire, pour reprendre l'expression créole, hein, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas de réponse. Quand en 2009, on lance notre PLU, c'est ça, David, 2008-2009, quand on lance notre 2007, et les premières traductions techniques, etc., c'est ces années-là. Eh bien, il n'est pas question de réviser le PPR. Et comme on relance chaque année par notre courrier, en 2012, quand on est fini bien avancé sur notre PLU au point de le faire adopter, 2011 pour 2012, on a une réponse de l'État qui nous dit « On vous a entendu, depuis 2007, nous a demandé, hein, 2006-2007, 2012, on vous permet désormais de réviser votre PPR. C'est l'État qui fait, nous nous amène à proposer. » Mais on dit « Oui, mais si on fait ça, le PPL est plus fort que le PLU, il n'y adopte le PLU en 2012, il nous refait un PPR, il s'en remettre en cause notre PLU qui ne sert plus à rien, sans jeu de mots. Eh bien, nous lance sur les conseils de l'État, nous dit, bon, à ce moment-là, c'est ce que tu dis à l'instant, ben, accepter de perdre 5 ans. En effet, l'État nous a mis dans l'obligation de perdre 5 ans, parce que nous avons révisé le PPR et nous avons dû arrêter à ce moment-là, pour 5 ans, la révision de notre PLU. C'est vrai. Mais comme le PPL est plus haut, on était obligé de faire ça. Après, bon, soyons pas non plus mauvais esprits, je dirais, ou soyons beaux joueurs, sauf qu'il faudrait qu'à un certain moment, nous avons quand même certaines quelques satisfactions. On a quand même récupéré, Axel, 40 hectares, et avec la perte de 10 qui sont repartis en rouge quand on a eu la nouvelle révision, on a quand même eu 30 hectares de gains nets en constructibilité. Donc, on a perdu 5 ans, mais une bonne partie de la population l'a récupéré. À condition qu'on retrouve ça dans la traduction d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour l'instant ce que l'on voit. Donc, m'y prends les excuses pour ton intervention, mais en même temps, c'est une bonne intervention, je dirais, que va enrichir de toute façon la suite de l'exposé d'Henri-Claude, à mon sens. Moi de même, Axel, ta question était pertinente, ta remarque était pertinente, donc, et le maire l'a très bien rappelé, tout ce temps qu'on a perdu, c'est essentiellement dû à l'État et à la révision du PPR, qui donc, comme le maire, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais nous a permis de bien avancer sur la récupération d'un certain nombre de surfaces qui étaient constructibles et qui étaient gelées donc par ce PPR. Alors, pour reprendre, entre-temps, les travaux sur le PLU ont évolué avec un second débat du PADD en conseil municipal pour répondre aux exigences législatives et réglementaires le 11 avril 2016 et des rencontres et des échanges réguliers avec les services de l'État pour partager notre projet de territoire. Au mois d'octobre 2017, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le maire, le Conseil municipal, en date du 5 octobre précisément, a statué sur le projet de PLU et a tiré simultanément le bilan de la concertation. Ce projet a ensuite été soumis pour avis à un ensemble de partenaires et de commissions identifiés par le Code de l'urbanisme. Ainsi, certains de ces partenaires appelés dans la procédure les personnes publiques associées, qui sont la préfecture et les services de l'État, la DEAL pour ne pas le citer, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, etc. ont émis de nombreuses réserves, ce sont les réserves dont vous parliez tout à l'heure, qui nous ont conduits aujourd'hui à revoir notre document, au lieu de le soumettre en enquête publique, comme c'était prévu. Début d'année 2018, dès février précisément, nous avons mobilisé ces partenaires à une fréquence importante pour reprendre le document sur les remarques et analyser les demandes de rectification technique et graphique ressorties de la consultation des PPR. Celles-ci remettent en cause l'économie générale du document, mais pas la vision politique de notre équipe municipale. C'est important de le rappeler.
l'esprit des modifications qui seront apportées. Dans un premier temps, limiter la consommation foncière et l'étalement urbain, réorganisation et réduction des extensions urbaines, conformément aux injonctions très fortes des services de la DEAL. Lisser dans le temps le développement de la commune pour permettre les infrastructures et les services en adéquation, réseaux, voiries, et enfin rééquilibrer le territoire en matière d'opérations de logements sociaux. Par exemple, la suppression de certaines opérations dans les quartiers des Hauts, comme vous avez cité Matuta, par exemple. Voilà, mes chers collègues, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Henri-Claude poursuive, et après le feu des questions potentielles ou éventuelles pourra s'ouvrir. Vas-y, mon cher collègue. C'est comme ça que tu dis. Oui. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues. Je vais essayer de ne pas reprendre tous les éléments qui ont été évoqués. Non. On va revenir plus à l'affaire en elle-même, l'affaire CART. Dans la note qui vous est présentée, on vous fait un rappel sur la procédure d'élaboration du PLU. Et on vous rappelle cette délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2017 où on avait arrêté le PLU. Cet arrêt du PLU a entraîné la consultation des PPA, les personnes publiques associées, les commissions et de l'autorité environnementale. Leurs avis vous sont présentés dans un tableau synthétique. Donc je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. Vous avez pu les consulter. Et le maire les a largement commentés. Vous avez pu comprendre qu'il y a des points de discorde très forts, des points d'analyse que nous ne partageons pas, notamment avec l'État. Pour l'heure, la prise en compte de l'ensemble des remarques et des réserves des PPA, et notamment de l'État, porterait des modifications importantes au projet de PLU, de nature à bouleverser l'économie générale du document. C'est pourquoi il nous paraît important dès à présent de reprendre la procédure d'élaboration du PLU en vue de procéder prochainement à un nouvel arrêt du projet. Vous voyez sur la diapo le calendrier qui est pressenti. Cette reprise impose la réouverture de la concertation, mais ne remet pas en cause, d'une part, la prescription de la révision générale du poste valant PLU et, d'autre part, le débat au conseil municipal du 11 avril 2016 portant sur les orientations générales du PADD. En fonction du déroulement de la procédure, la concertation prendra la forme suivante. Mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les observations pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Information concernant les modalités de concertation dans le journal municipal. Présentation par affichage en mairie des éléments techniques au fur et à mesure de la réalisation. Mise en place pendant la procédure de révision générale de toute autre modalité de concertation et d'information jugé utile en fonction de la situation. Du fait de la reprise de la procédure et pour coller au plus près des modalités de concertation et d'information initiale, cette nouvelle concertation impliquera une information sur la reprise de la procédure d'élaboration du PLU dans le journal municipal et l'organisation d'une réunion publique d'information et de concertation par entité géographique cohérente. On l'avait déjà fait, on reprend les mêmes grands quartiers. Donc le Grand Centre-Ville, Langevin-Vincent-Deau, les Hauts-de-l'Ouest, les Hauts-du-Centre et les Hauts-de-l'Est. Tout d'abord, lors de la reprise de la procédure d'élaboration du PLU, afin d'apporter un éclairage sur la démarche et recueillir l'avis des habitants. Puis pour une présentation du projet d'aménagement et de développement durable, afin de recueillir l'avis des habitants. Donc il vous est demandé d'adopter cette affaire, il y a plusieurs points. Vous avez dit que c'était assez compliqué, c'est un peu moins poétique que la pointe Langevin. Donc il vous est proposé de retirer la délibération du conseil municipal numéro 201-710-051 du 5 octobre 2017, de reprendre la procédure d'élaboration du projet de PLU en vue de l'arrêt d'un nouveau projet, de rouvrir la concertation avec le public suivant les modalités de concertation fixées par la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007, de procéder à l'affichage en mairie de la présente délibération pendant un mois. Et il y a d'autres procédures, de notifier la présente délibération au préfet, au président du conseil général, etc., ce qu'on appelle les PPA, d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire.
Merci, mes chers collègues. David, des précisions sur ce qui a été dit ? Non ? Hein ? Vas-y. Bonsoir à tous. Je crois que l'essentiel a été dit. Je ne reviendrai pas donc sur l'historique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réserves qui sont émises, notamment donc, de la part de l'État, entraînent nécessairement donc, une modification de notre projet. Et les modifications qui devront être apportées, donc on a consulté donc, notre avocat donc, qui nous assiste sur l'élaboration de ce PLU, pourraient être considérées comme des modifications substantielles de nature à bouleverser l'économie du projet. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de reprendre la procédure d'élaboration du PLU afin d'opérer donc, un nouvel arrêt. Élément aussi important, c'est la jurisprudence administrative qui l'a précisé. À partir du moment aussi où vous avez des modifications substantielles, il faut reprendre donc, la concertation, donc réouvrir la concertation avec le public. Voilà les trois précisions donc, que je souhaitais apporter ce soir. Bien. Merci, monsieur le directeur d'aménagement et du développement urbain. Qui souhaiterait intervenir sur ce dossier ? Monsieur Guézelot. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. On est sur un dossier sensible, ce que vous l'avez rappelé dans vos propos introductifs, que la situation est difficile et compliquée. Retirer une délibération alors que vous aviez obtenu, nous avions voté ensemble ce projet de PLU. Et nous avions effectivement, à l'époque, non pas émis des réserves, mais salué effectivement le travail qui a été mené avec les différents services. Et on se retrouve ce soir sur le retrait d'une délibération, sur une reprise de procédure et sur la réouverture de la concertation publique. Donc ça veut dire qu'on remet la balle au centre. Ça veut dire que notre position qui était de voter ce projet de PLU le 5 octobre, on l'avait fait, bien entendu, dans l'intérêt de la population qui attendait, comme vous l'avez rappelé depuis 2001, que Saint-Joseph dispose enfin d'un outil de développement fiable. Et on se retrouve ce soir, effectivement, à reprendre quasiment tout à zéro. Et j'avais cru comprendre, moi, lorsque le dossier avait été présenté, que le travail effectué avec les services de l'État et enfin les partenaires associés était susceptible de nous amener à un avis favorable. Et présenter ce soir les considérations de l'État, les remarques, l'État aurait pu aller et pousser sa logique jusqu'au bout, c'est-à-dire mettre un avis défavorable. Et on l'aurait mieux pris. Et on aurait pris nos responsabilités. Parce que là, on nous demande effectivement d'être dans les clous. Et vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pas, moi je ne défends pas votre projet, je défends l'intérêt des Saint-Josephois. C'est le projet du conseil municipal, puisqu'on l'a voté ensemble. Mais je remarque que, et mon collègue Axel a raison, c'est que on a perdu 5 ans. On n'a pas la certitude, malgré effectivement les propositions que vos services vont faire, que ça va effectivement coller aux demandes expresses de l'État. Donc mon inquiétude est double. Comment faire pour qu'on préserve l'intérêt des Saint-Josephois, qu'on préserve l'intérêt de nos terres agricoles, et comment caler avec les recommandations de l'État ? Pour ne pas dire des réserves, mais je mettrai entre guillemets ces réserves, parce que j'estime qu'on a trop perdu de temps. Trop perdu de temps, quelles que soient les propositions que vous allez faire, puisque, si j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas répondre point par point à l'État, si j'ai bien compris, parce que ça dénature votre projet, ça dénature le projet que vous portez pour Saint-Joseph. Et ça ne correspond pas aux attentes de la population. Donc, quelle est la démarche aujourd'hui que vous allez adopter, malgré un calendrier contraint, et comment faire en sorte que Saint-Joseph dispose enfin d'un PLU qui tienne la route ?
C'est ma première question. J'aurai peut-être d'autres questions à poser tout à l'heure en raison de vos réponses. Alors, moi, je réponds sur la philosophie du projet et les cadres, et notamment le directeur de la DADU, David Rivière, et si besoin, d'autres personnes qui l'entourent. Je veux parler de Mme Clara Leperlier, de Véronique Duchemin, notamment, mais d'autres personnes aussi, comme Hortense Duchemin, Sidonie Morel, etc., qui ont contribué et travaillé à leur côté tout au long de ces années. Sur la philosophie, non, tout n'a pas été rejeté par l'État, sinon il prenait là, pour le coup, une décision défavorable. On a vu que dans certaines autres communes, ça n'a pas gêné les autres. Nous, notre problème, c'est quoi? C'est que, et s'il faut causer clair, j'ai envie de dire que si, il y a 2 ans ou 3 ans, les services de l'État instruisaient ce plus pour donner son avis, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais à mon sens, il y en a plein qui causeraient comme moi. Nous ne sommes pas sûrs que nous aurions eu toutes les réserves qui ont été mises en place. Parce que l'État a ses services, faits d'hommes et de femmes qui bougent d'un département à un autre et qui arrivent chez nous. Quand à Bel Air, on nous dit, à Bel Air, vous connaissez les Bel Air ici, il n'y a pas Bel Air de Sainte-Suzanne, c'est Bel Air de Saint-Joseph. Hein ? On nous dit que la loi littorale ne permet pas. C'est là qu'on veut dire aux autres, mes amis, il faut que nous ayons conscience. Moi, quand certains me disent qu'un certain alinéa de la Constitution, il ne faut pas le bouger. Aujourd'hui, si vous voulez agrandir le bassin de Manapani, ça que Dr Barreau a fait avec un Poquelin à l'époque, ben, il faut un décret en Conseil d'État. Parce qu'il faut qu'on fait comme la France, pour reprendre certains termes. Et à Bel Air, j'ai entendu dire que vous ne pouvez pas faire cela, monsieur le maire, parce que la loi littorale n'y permet pas. Vous voulez loin d'avoir de pieds trempés dans l'eau de mer, à Bel Air, on est là-bas, hein, ben parce que la loi littorale, sur le continent, il prend une bande de 50 km. Ah oui, ben 50 km, il arrive au volcan. Mais il n'est pas fait pour nous. Alors, il faudrait amener ça sur un autre théâtre, un autre débat. Je me refuse, puisque là, nous l'est dans le cadre de notre plus. Pourquoi nous, nous repartons sur cette procédure qui, quelque part, est simplifiée? C'est parce que moi, m'y veux croire que l'État n'a aussi des gens intelligents, y compris dans ses services, etc. Et M. Guézelou, on a vu sur un certain nombre de points, ne serait-ce la révision du PPR, où vous avez vu en certains endroits, vous avez dit, il est vrai, à l'époque, nous est parti un peu vite, maintenant, en revoyant, etc., les gens ont raison. Mais l'arrivée aussi chez des gens où une madame avait un gros cap comme ça sur sa case, elle dit, là, il n'est pas dangereux, là, madame. Excusez-moi, dit, oh, mais là, ils ne défendent pas de cas, là. Parce que si c'est pour venir à masse au coup de cuillère, demain, là, on sera le premier à être accusé. Donc, on a fait notre rôle et nous avons eu une réponse. Donc, pourquoi ça a été possible d'être dans la démarche d'intelligence territoriale sur le plus, sur le PPR, ne pas l'être demain sur le plus? Mais il faut que, bah, sur un certain nombre de points, nous gagnons faire observer et défendre aussi nos positions. Si nous avons perdu, il y aura grosso modo 2+, un qui s'appliquera immédiatement, puisqu'on ne peut pas utiliser tous les quotas, et il y a un autre qui se fera dans 4-5 ans. D'accord ? Mais tout le monde a bien compris que le premier cadre là va donner, en quelque sorte, dans sa philosophie et sa démarche, ce que l'on veut faire pour demain. Et après, on va appliquer. C'est pareil dans le grand centre-ville aujourd'hui. On nous dit, il faut faire prendre en considération votre zone commerciale qui s'implante là-bas. Et en même temps, il vous faut faire 12 hectares, 11 à 12 hectares de logements sociaux. Si mieux regarde, il fait à nous à peu près un besoin de 25 hectares. Et on nous dit que dans notre premier plus, on ne peut avoir que 14, c'est ça? Que 16? 16 hectares. Ben, comment on fait? Où s'amitié à la différence entre 25 et 16? C'est là-dessus qu'on lui a dit qu'il faut nous aider. Parce que si nous avions appliqué en 2012, nous n'aurions pas posé un problème pour faire. Nous n'aurions pas eu besoin autant de terrains pour les logements sociaux. Mais quand nous l'est en 2018, 2019, 2020 maintenant, ben, on n'a plus les mêmes besoins. Donc le 40-60 que les recommandés, on ne peut pas faire autrement. Le SAR, vous êtes un élu de la région, comme Axel, comme d'autres. Le SAR, il donne en sa prescription 6, l'autorisation d'utiliser les terrains qui sont redevenus constructibles par la révision du PPR
C'est ça, nous parler d'espace non artificialisé tout à l'heure, de réutiliser pour équilibrer notre flux là où on perdrait et où il nous manquerait justement de quotas. Là-dessus, on bute aujourd'hui. Il a demandé à la région de faire une lecture. Ben, la région l'a lu comme tout le monde y lit. Et il a dit, ben, bon, le monde de Saint-Joseph, apparemment, il gagne à lire, parce que ça a lu ce que nous a écrit. Il semblait pas être d'accord sur le truc. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, s'il faut perdre un an, deux ans, moi, j'y vois, comme je vous avais dit tout à l'heure, notre population d'hier. Je peux pas, parce que demain, on nous dit, à tel endroit, par exemple, il faut sacrifier, parce que nana des grands textes nationaux, ben, nous sacrifions notre population d'hier. Sur les zones NTO, on vous parle, etc. C'est là-dessus qu'il faut rebatailler demain. Parce que je ne vois pas pourquoi certains projets agro-touristiques peuvent exister dans les communes voisines et chez nous, n'est pas possible. Après, on n'est pas en train de faire de la construction sauvage, etc. C'est s'adapter. Donc, les réserves que nous donner, à qui choc incident de dire qu'on ferait un lotissement social à Matouta, à Jacques Payette, à la Crête Premier Village, à Bel Air, à des gens qui habitent là-haut. Les enfants, quand ils grandissent, ils ont besoin de décohabitation. Donc, si nous sommes vraiment dans la recherche de la mixité sociale, là où on fait des réseaux dans les centres de ces bourgs-là, ben, il est important que ça serve à quelque chose. Parce que quand on a dit à nous qu'il serait bien de faire en sorte que nous permettions à l'agriculture de s'en sortir et que tout ne deviendrait pas urbain, ben, la gagne dérogée par rapport aux lois pour dire à nous que les d'accord dessus. Il faut que sur toutes, nous retombe sur nos pieds. Et quand nous faisons les zones ABA, tout à l'heure, les zones ABA, quand ils sortent du zone NB, n'est pas pour qu'une personne n'a plus la possibilité, mais pour qu'elle y fasse un minimum d'urbanisation, de construction, mais cadrée, parce qu'on a un manque de réseau et parce qu'on ne veut pas qu'il fait les choses n'importe comment. Donc, ce que je dis, c'est qu'on ne reprend pas tout, mais sans dire qu'on s'arc-boute, on s'arc-boute plutôt, on va quand même aller sur certaines positions, dire que nous peut revoir à la baisse ce que Zoti demande, ne serait-ce dans le prochain plus qui arrive, mais on dit qu'il est prioritaire de prendre en considération ce que nous a cité, par exemple, sur Matouta, ce que nous a cité sur un certain nombre d'autres endroits. La zone d'activité de Vincent Do, aujourd'hui, après, que Passignac peut appeler ça une pression, mais un échange avec nos arguments, ils sont d'accord. Mais dans un premier temps, on l'avait dit à nous, que les pas dans la ZPU définis par le sort. Et pourtant, on a déjà les réseaux qui existent. Nous avons prévu en bas, à côté du lycée, pas sur la partie qui touche le lycée et le gymnase, puisque là, il est prévu pour des équipements sportifs. Mais de l'autre côté, on nous dit que le SMVM, il ne prévoit pas. Il ne permettrait pas. Le schéma de mise en valeur de la mer, il dit à nous, à tel là, il ne peut pas faire une zone d'activité de 4-5 hectares. Ben, mes amis, à certains moments, souffrez qu'on ne pense pas comme vous, mais qu'on vous dise que peut-être si nous nous fait un pas en arrière, et les autres y fait un pas en avant, ben, sur d'autres terrains, il faut que le geste l'inverse. Et à ce moment-là, on compose. C'est parce qu'on a mesuré qu'un certain nombre d'éléments étaient possibles qu'aujourd'hui, nous part sur cette phase-là. Parce que nous ne veut pas être dans le tamponnage, mais on ne veut pas non plus perdre notre identité. Moi, je me dis très franchement, si demain il est écrit qu'il ne fait plus de logements sociaux dans les hauts, ah, c'est pas le breton, on va dire. Et mais nous va dire qui l'a dit. Là, elle est pareille. Quand on nous dit qu'on peut, vous pouvez reprendre encore 2 ans ou 1 an, pas 2 ans, 8 mois ou quoi de retard, ben oui, mais sauf qu'en rajoutant les 8 mois, plus 5 ans, plus tout ça, et ça fait des années. Voilà. Sur le plan de la procédure, David. Vous avez bien résumé, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une remise en cause totale du projet. Donc depuis le mois de janvier, je vous signale qu'on a eu de nombreuses réunions de travail donc avec les services de l'État, notamment pour essayer justement de trouver des points d'équilibre. Avec le sous-préfet et le DA en personne. Hein. C'est quand on est en train de dire ce soir, nous n'êtes pas d'accord avec la position de l'État. On a comme l'impression que peut-être le Breton et M. Vincent Lagogué ou quoi, est en train de... Non. Au contraire, mais ils pensent chacun, ils mettent les moyens. Sauf que les représentants de l'État sont peut-être un peu plus encombrés avec leurs écrits à eux et leurs textes. Et comment faire pour faire adapter ça à la Réunion? Donc aujourd'hui, nous dit, ben, nous ne veut pas dire que met ça de côté, mais il y a une adaptation qui doit être recherchée. Pardon, David. Non, non,
Vous avez bien raison. Donc une adaptation qui est en train donc justement donc d'être trouvée, des points d'équilibre donc qui sont en train sans quoi des négociations, comme je vous dis. Donc je vous dis, Monsieur le maire disait donc à l'instant, c'est vrai que par rapport à ça, on est dans un rapport de compatibilité. Et parfois, le sentiment qu'on a eu en regardant un ensemble de réserves émises, c'est que ce qui était exigé de nous, ce qui était exigé du plus, c'est d'être dans un rapport de conformité par rapport au SAR. Et aujourd'hui, justement, les négociations portent sur ces points. Donc, je crois que la collectivité doit avoir aussi des marges de manœuvre pour la localisation de ces opérations d'aménagement. Donc, et en la matière, donc, on fait valoir nos arguments. Un élément aussi important, je pense, Monsieur le maire, donc, de rappeler, je crois que personne n'a y gagné, donc, justement, donc, de faire retarder cette procédure. Donc, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Donc, au 26 septembre de cette année, on passera sous l'égide du règlement national d'urbanisme. Il faut savoir que le règlement national d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme seront délivrées par le maire, mais avec un avis conforme du préfet. Donc, je crois que l'État n'est pas forcément demandeur d'instruire les permis de construire. Donc, bonne soirée, merci de votre présence. Que nous travaillons de concert donc, pour accélérer la procédure et pour respecter en tout état de cause le délai d'adoption qui vous a été donc, énoncé donc, par M. Henri-Claude Huette. Oui, M. Rivière. Vous faisiez effectivement remarquer qu'il y a des spécificités. En dehors de l'aspect superficie, puisque les communes françaises métropolitaines, je vais utiliser plutôt ce terme, sont souvent de grandes communes, mais si on applique, j'irai à l'échelle de Saint-Joseph, en métropole, si je tiens compte du facteur population, c'est quasiment 13 plus qu'il faudrait qu'on fasse sur Saint-Joseph, puisque si on regarde la population moyenne des villes et communes donc, de métropole, quasiment chacun de nos grands quartiers serait une ville à part entière, avec son plus autonome, sa zone artisanale, etc. Donc, à l'échelle, je dirais, de la surface, effectivement, on ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, mais au niveau de la population, on est, je dirais, quasiment sur l'échelle de ce qui se fait pour un plus d'une municipalité en métropole. Et c'est là où c'est vrai que sur notre petit territoire, ça pose cette problématique à partir du moment où on a autant de population sur un espace aussi naturel qui est très contraint, puisque une petite commune des Hauts, des Alpes, etc., va avoir certes au niveau de la réglementation sur les risques aussi des problématiques, mais ça va concerner 200, 300 personnes au maximum, alors que nous, on est quasiment sur une population de 40 000. Absolument. D'autres interventions ? En tout cas, nous, ce que nous proposons, c'est cette procédure qui va nous amener à repartir sur une dizaine de réunions, avec, comme on l'avait fait, c'est qu'il y a un parallélisme des formes qui s'impose, et les réunions qu'on a commencées avec l'État, on veut poursuivre. Tout le monde a compris qu'il y a un certain, aujourd'hui, cadrage sur certains points pour voir sur quoi on partirait, etc. Et moi, je ne pense pas que l'État ait voulu voir ce qu'on avait dans le ventre ou quoi que ce soit, comme certains aussi ont essayé de dire dans d'autres communes. On y voit que c'est une procédure qui, visiblement, c'est peut-être des visions qui s'entrechoquent. Mais nous, justement, nous les, à une période importante, regardez seulement sur les effets déplorables que l'on a eus avec, par exemple, l'utilisation de pesticides, etc., dans le sol. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il faut revenir au développement durable. Il faut venir au développement durable. J'ai fait un lapsus, j'ai dit revenir. Ben oui, parce que nos parents étaient dedans. La fontaine qu'on avait dans chacune des cours, les méthodes culturelles qu'on avait, le petit feu que le papa ou la maman de tout le monde y faisait le soir dans notre cour, sans foutre le feu au village. Mais pour brûler, y chasser les moustiques, ceci et cela, elle n'a jamais touché à couche d'ozone. Certes, nous était une population moindre, mais il veut bien en convenir. Mais tout cela a été perdu aujourd'hui. Quel bonheur, elle est en train d'interdire les sachets plastiques. Mais combien de fois elle a dit que le sac va quoi, dont moi m'y porte un emblème, il n'était pas bon. Il faisait honte à nous parce que la soubique n'était plus à porter, etc., tout juste qu'il n'entretenait pas de microbes dedans. Et aujourd'hui, on y voit la pollution, où ça y vient, il n'y gagne plus éliminé. Moi, en tant que député, moi, vu, en siégeant dans certaines commissions,
le dégât que le chlordécone a fait, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, en pourrissant des sols pour des années et des années. Eh bien, nous sommes en train de retourner en roue aujourd'hui. Ça fait à quoi, là? Il nous recommence après pour dire que nous avons un temps pour faire de la déconstruction, un temps pour construire. Ben, il faudrait que demain, à une échelle où quand on a 850 000 habitants, il y en aura peut-être encore 150 000 ou 200 qui arrivent, ben, que nous connaissons quoi nous ça fait et comment nous prévoit justement l'habitation. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Parce que, par exemple, quand nous calculons notre nombre de logements, on connaît comment nous fait. Nous questionnons les gens sur les demandes que Zati vient faire à nous. Et s'il en a 2000 demandes, nous dit qu'il en a 2000 demandes. En face, on ne voit pas ça. On regarde les demandes de toutes les communes de la Réunion, on dit on prend un quota, on envoie chez nous. Ben, demain, il faudra opérer ça pour voir si tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, le plus, c'est ce difficile équilibre à trouver. Sauf que moi, ce que m'y fait dire aujourd'hui, je suis président aussi du SMEP qui gère le SCOT Grand Sud. Ben, chacun à notre échelle. On était en réunion la DA, là en bas, et ben là, il était en train de faire un exercice où Zati faisait une application en conformité du SAR. Zati disait, voilà sur la carte ce que le SAR il donne. Et un monsieur qui avait travaillé au premier SAR l'avait dit à Zati, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est une hérésie. Le SAR n'est pas fait pour être appliqué. Regardez, on est au 100 000e. Vous êtes en train de mettre en contradiction par rapport à un plus. On comprend tout. Ils ne superposent pas ces plans-là. Ils sont prévus à l'échelle de la Réunion sur une petite carte comme ça. Et après, quand on est sur la carte comme ça, mais pour notre commune, là, on est à une échelle totalement différente et on peut regarder justement les adaptations. Il ne parle plus demain sur le bouc que l'a fait en hangar, etc. Est-ce que on peut être toléré? Et là-dedans, il n'y a pas de politique de gauche ou de droite. C'est une politique, nous l'est à la Réunion, sur une île, on a choisi d'être français et nous n'avons des particularités. Comment faire vivre ça dans ce cadre-là? Nous l'est en plein dedans, dans le cadre de ce plus. Nous sommes d'accord sur les grandes règles. La preuve, c'est que nous avons dit, si Zati veut essayer, applique le RNU, puisque les dents se tendent là. Il n'y a pas que chez nous. Hein. Donc je peux comprendre aussi la situation un peu délicate des services de l'État. Si Zati retrouve Azote demain à aller étudier tous les permis de Saint-Joseph, de Saint-Benoît, de peut-être Saint-André, de Tampon, de Saint-Philippe, si ça se trouve. Enfin, mais regarde les communes qu'il n'y a pas quoi faire. Ça va faire un petit quota. Hein. Donc, nous avons comme compris que ce n'est pas le souhait de Zote part. Simplement, on en a une date couperée là-dessus. Moi, ce que m'y veut dire Zote, c'est cette date couperée, nous avait prévu, nous, de valider avant. Ben, s'il retarde encore aujourd'hui, ce n'est pas de notre fait. Après, nous ne passons pas notre temps à dire c'est la faute de l'autre, mais nous avions intégré depuis très longtemps, puisqu'on vous a dit 2012. Après, Axel vient de dire tout à l'heure, je tempère un petit peu en disant quand même que nous avons perdu 5 ans, mais nous avons gagné re-rendre à la constructibilité 30 hectares, et on ne peut pas dire que la révision ait totalement été inutile. Mais enfin, tu as raison, on a perdu 5 ans. Oui, Harry Mussa. Merci, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir, mesdames, messieurs. Tout à l'heure, le maire parlait de logements sociaux. Aujourd'hui, dans le plus, l'État interdit à nous de faire sur Matuta. Petit quartier comme Matuta, nous devons prévoir le terrain, etc. Il interdit à nous de faire sur le Bel Air. Mais par contre, la loi SRU, il dit à nous qu'il faut construire 20% de logements sociaux. Sur ces 20% de logements sociaux, ce qui ferait à nous, qui ramène à nous un ratio de 200 logements par an jusqu'à 2025. Et comme quoi, elle n'est pas cohérent du tout. Hein. Ce principe à de l'État, avec SACNO NUCALC. Dans les demandeurs de logements inscrits sur les listes de l'État, on a 1100 demandeurs de logement à Saint-Joseph. Sur 1100, il faut tirer les 600 qu'elle est déjà dans un logement social, qui fait une demande pour avoir un logement un peu plus meilleur. Les vrais demandeurs de logement, il reste 500. Et ils demandent à nous à construire 200. Et à chaque opération qu'on livre, eh bien, dans un cas qui va se passer dans une semaine, à Badera, dans le collectif, 39 logements collectifs, eh bien, la commune a 3 logements. Le quota de la commune. La région a 1 logement. La CAS Sud a 2 logements. Le département a 1 logement. L'État
à 12-13 logements. Mais ce n'est pas 13 familles de Saint-Joseph. Hein. C'est 13 familles de La Réunion qui vont mettre à Saint-Joseph. Et les gens de Saint-Joseph, en attendant, bien, dans le quota inscrit sur The List, ces mêmes demandeurs-là, ben, ils ne vont pas baisser le taux. Et à chaque année, ils vont réviser ça, ils vont dire, ben, il vous manque des logements. Et quand on n'a pas construit le nombre de logements qu'il faut, eh bien, chaque année, il faut que la commune y allonge le chéquier pour payer l'amende. Ce n'est pas parce que la commune n'a pas fait, c'est parce qu'il y a des gens d'extérieur qui ont rentré dans ces logements et que le quota de la population de Saint-Joseph n'a pas été relogé. Tu vois le cercle vicieux que l'État exige à nous à faire. C'est pas ça, c'est un appel aussi m'y fait. Ce soir, ben, m'y en profite par le biais du conseil municipal, a dit à la population. Souvent, quand ça y interpelle un élu, le maire ou moi-même, délégué au logement, pour une demande, souvent m'y dit à les gens, mais que venir voir M. Mussa ou M. le maire ou les élus? Pourquoi ils ne descendent pas directement en préfecture et aller poser cette demande? Sur la COSAD, bientôt, on va livrer. On a eu une liste avec la SODEGIS, une liste de l'État, bien sûr, que l'a envoyée à la SODEGIS. C'est des gens d'ailleurs. Il y aura peut-être un sur le quota de l'État, une famille de Saint-Joseph. Après, c'est bien beau. L'État, il se cache derrière et c'est les élus, le maire, les élus de proximité qui reçoivent tout dans le visage. Bien, il faut aujourd'hui arrêter et comprendre la situation qu'on est aujourd'hui. Et voilà le cadre le plus aujourd'hui, c'est la même chose. En tout cas, m'y remercie à pour l'écoute. Mais moi, midi, je l'ai dit en réunion de directeur, je ne vais pas pour aider lui, pourquoi ne dirais pas. Je pense que dans des cas comme ça, au moins pour ceux qui ont fait les demandes à notre niveau, ben, il faut nous écrire à Zod pour dire voilà quelle est la liste proposée par la commune et quel quota nous a gagné. Voilà quelle est la liste qui a été proposée par l'État. Si on nous dit après que la CNIL n'y permet pas, ben on reverra dans quelques temps. Ça aussi, c'est une loi qui vient de dehors, qui impose à nous. Mais il faut que chacun y prenne notre responsabilité. L'autre jour, on m'a parlé de solidarité. Ben, il dépend. Hein. Solidarité quand vous êtes riche, mais quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas être solidaire avec sa nana à l'autre côté. Hein. Moi, je ne gagne pas de l'enrhume. Hein. Donc, ça que nana. Axel, demandez la parole. Et monsieur le maire, tout à l'heure, tu disais que les services de l'État, parce qu'il faut savoir que l'autorité, le préfet, sous-préfet, ne sont pas en guerre avec les maires, si mon propos n'a pas été bien compris. Cependant, il faut savoir que quand tu disais tout à l'heure que les services de l'État sont faits d'hommes et de femmes, il est clair que la majorité de ces hommes et ces femmes qui viennent pendant 3 ans à La Réunion se dorer la pilule, la Réunion, les Gaillards, la mer, le soleil, donc on a tellement de choses à faire que de travailler sur les dossiers, et quand on ne connaît pas la Réunion, on ne peut pas dupliquer la métropole à la Réunion. C'est là où le bât blesse, c'est là où il y a un problème véritable. Et puis, il voudrait donner un exemple là-dessus. Après le fameux Doumazil, l'épisode cyclonique de Doumazil, lorsque le débit d'eau a permis la reconstruction du radiofusible, alors qu'on se faisait insulter par quelques personnes de Saint-Joseph même, certains commerçants pour ne pas les citer, parce que pourquoi le radier n'est pas encore fait? Parce qu'il y a un débit d'eau après chaque cyclone, une semaine après, plus important quasiment que pendant la crue elle-même. Donc on se fait insulter. Et m'y poser la question donc à ce commerçant, quand lui passe sa petite île, s'il y a un embouteillage, est-ce qu'il lui appelle le petite île? Ou tout simplement, quand lui passe dans la rue de Bons-Enfants à Saint-Pierre, lui appelle le père Saint-Pierre parce qu'il y a un embouteillage. Donc ça c'est, m'y ferme la parenthèse, c'est pour vous dire que lors de la reconstruction du radier fusible après Doumazil, un employé qui travaille très bien, s'est fait insulter par un membre, par quelqu'un des services, du service de l'État, parce qu'on n'avait plus assez de buses carrées
et qu'on avait mis à côté quelques buses rondes, mais dans l'enfilade, pour permettre de faire deux courants d'eau pour supporter donc le passage, pour laisser passer l'eau. Alors, on ne m'a jamais connu, moi, bien avant 2001 et aujourd'hui et après même, qu'une buse empêchait l'eau de passer avec des anguilles et tout ce qu'il y a dans la rivière. Donc, cet employé s'est fait insulter par le responsable, par un des responsables de la DEAL, et en disant que... Enfin, alors, il se défend en disant que, ben oui, mais la population est encombrée, centre-ville est bouché. Il disait qu'il n'y avait rien à foutre de la population de Saint-Joseph. Donc, c'est pour dire aux collègues et à l'ensemble des personnes présentes comment ça se passe bien souvent dans les services de l'État. Donc, c'est pour confirmer que ce n'est pas et le préfet et les sous-préfets en guerre avec les maires, mais bien au service de l'État où ça déconne. Bon. On y revient à l'objet de l'affaire numéro 4 et surtout aux décisions qu'il doit prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va mettre... Oui, M. Guézelot. Peut-être revenir sur l'intervention. Oui, sur l'intervention de M. Mussa. Votre intervention m'interpelle parce que quand je voyais jusqu'à maintenant que la mairie, enfin la collectivité, était dans une logique de livraison d'opérations. Et on se rend compte, là, après votre intervention, que lorsque la commune livre une opération de 20 logements, en réalité, la commune permet à 3 ou 4 administrés de son territoire, qui payent ses impôts, d'accéder à ce logement-là. Et là, on a un véritable problème, puisque l'État nous demande effectivement, demande aux collectivités de construire des logements sociaux, et du fait qu'il y ait ces commissions d'éligibilité, où l'État a en grande partie la main, sur une opération de logement, s'il y a 14 familles qui viennent des villes extérieures, ça suppose des écoliers en plus, ça suppose des moyens de transport en plus, ça suppose des embouteillages en plus, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit on arrête, et on fait, il faudrait peut-être à un moment pousser l'État aussi dans ses retranchements, on fait une opération de... Ben on fait plus, soit on ne fait plus d'opérations, ou on exige que ce que nous, pareil, Harry disait tout à l'heure, sur une opération, la région a un logement, la mairie 3 logements, et le reste, c'est quand même sur le territoire de Saint-Joseph que cela se passe. Donc il y a un véritable problème. Comment faire pour expliquer effectivement aux populations concernées, aux demandeurs, qu'on aura beau dire, monsieur le maire, que ce soit le plus autre chose, que ce n'est pas nous, c'est l'État. Mais la réalité, c'est que les gens de Saint-Joseph ne sont plus relogés, enfin, en majorité, et comment résoudre le problème? Parce qu'on est à l'approche d'échéance, et chacun dira que là, c'est la faute d'un tel ou la faute de l'autre. Mais la réalité aujourd'hui, qui intéresse les Saint-Josephois, les administrés, celles et ceux qui payent des impôts, on est en train d'être quasiment sous tutelle. Enfin, mes mots sont peut-être un peu forts, mais on est dans une situation où effectivement on a un État qui nous demande de mettre en conformité un certain nombre de choses, et on est tributaire de ces obligations. Et c'est un vrai problème. Alors, sur la question de... les uns et les autres peuvent dire. Sur le PPA, à l'époque, je vous ai dit, hein, un de mes adversaires et donc de vos collègues, peut-être camarades à un certain moment... Ah oui, oui, certainement. Après coup, on vérifie que c'est la circonstance. Mais sur l'heure, on se dit que c'est une opportunité. Mais voilà, hein, c'est dans la vie, quelquefois, on a l'embarras du choix et on fait le choix de l'embarras. Et quand on voit ça après coup, on se dit que, de manière philosophique, on fait le bilan. Et c'est pas réservé à un camp plus à un autre. C'est une pratique.
Mais je disais que sur le PPR, cette personne, à l'époque, avait été la première à dire que c'était le maire. Les gens n'étaient pas aussi couillons, quand même. Il y en a, certainement. Mais je veux dire que... Il y a eu l'évolution, à telle enseigne que quand elle est passée sur la révision, cette même personne était venue voir sur son propre terrain. Donc les mêmes gens que j'avais rencontrés l'ont revu à lui, et lui, il a été un bénéficiaire quand d'autres sont restés bec dans l'eau. Moi, en ayant su et pu faire réviser le PPR et avoir fait récupérer 30 hectares sur les 96, c'était déjà démontré à la population à qui nous a rien permis, promis, pardon, que n'avait des possibilités. Elles n'étaient pas gratuites. Des fois, il fallait faire des études pour monter un milieu de certainement ou un truc comme ça, mais que les choses étaient pareilles. Aujourd'hui, en gros, m'y pense, hein, ceux qui sont en zone NB et qui passent en zone U et qui savent à ce moment-là ce qu'ils vont récupérer. C'est pas là. Quand midi azote, c'est pas nous, c'est le retard émis par l'État. Tu connais qui bloque azote aujourd'hui ? N'aurait été un autre que l'été à notre place, n'aurait pas changé la chose. Là où le problème est crucial et important, c'est que sur certains choix stratégiques, non pas de déclasser le terrain d'un ou de l'autre, mais de faire obtenir un logement demain, on est en train de nous dire « Non, là, c'est plus possible. » Et Mamie disait tout à l'heure sur les quotas, mais c'est les lois qui ont changé ces dernières années. C'est pour ça que nous sommes arrivés à un numéro unique qui est beaucoup plus bloquant, etc. Mais ça n'arrive pas que dans notre commune, parce que ce sujet-là, à un certain moment, je voulais le mettre sur la table du bureau du président de l'Association des maires. Mais si nous, quand nous avons besoin de 20, il donne à nous 5 et il prend 15 d'ailleurs, c'est le risque de demain. Il sort bien dans une autre commune, ça. Donc, autour de la table des maires, il y aura certains bouts qui sont gênés à ce moment-là pour nous dire que les autres aient... Vous avez signé avec nous, puisqu'il envoie à nous ce que Zot ne veut plus chez Zot. C'est ça, il faut que nous mettions bien, nous dressions bien la nappe et nous mettions bien sur la table ce que nous n'en avons véritablement à faire. Moi, maintenant, je le dis, ça bouge. Aujourd'hui, nous sommes sur une situation où on est à 40 000 habitants, il y a un certain nombre qui sont logés, il y a d'autres qui sont sur des demandes, etc. Après, il y a d'autres choses, hein. Les personnes qui, aujourd'hui, voient qu'on ne fera plus des maisons de ville, ce n'est pas la faute du maire, moi, désolé, je les connais très bien. Je les connais très bien qu'une maison de ville, pour devenir propriétaire dans 15 ans, on ne peut plus aujourd'hui parce que la LS était supprimée. Et ça, ce n'est pas nous à supprimer. Et donc, chacun peut toujours le répéter, mais nous, on va essayer, en tout cas, de le dire assez fort pour que les choses soient prises en considération. En tout cas, sur cette révision générale du plan d'occupation des sols qui ne vaut plus, je le répète, on va aller sur une procédure qui laissera apparaître une note dans les années qui viendront. Et c'est pour cela que quand vous regarderez la carte du PLU, vous verrez. En certains endroits, vous allez voir du AU, c'est-à-dire 1 AU, du 2 AU et du 3 AU, voire 3 AU ST. Ça veut dire tout simplement qu'avant un certain nombre d'années, je ne peux pas consommer ces lieux à lotir. Avant de faire le 2 AU puis le 3 AU, il faut avoir consommé le 1. Et c'est la raison pour laquelle... On est en train, nous, de dire aux gens, là où il y a les 1 AU, on va faire le maximum pour emmener les réseaux, etc. Ça même si ça dépend de l'intercommunalité, du SIDELEC et tout ça pour arriver dessus. Mais c'est un grand chantier. En fait, ce soir, on aurait pu dire que 60 ou 65%, peut-être 70 aussi, de ce que nous avions apporté l'était déjà acté. Mais sur les 30%, on ne peut pas lâcher. Parce que c'est l'identité aussi de notre... programme et du projet pour tout le territoire, et notamment des plus faibles, que les menacés. Et ça, c'est pas possible. Et nous croyons comprendre aussi que dans d'autres communes, ben, on a même le même combat. Alors, il est fort possible que si Saint-Joseph, il dit à Zot, oh, mais comme ça, sur Saint-Benoît, sur Saint-André, ou sur telle autre commune, tampon, etc., eh bien, il y aura peut-être aussi des réponses proportionnées qui s'y appliqueront. Parce que, par exemple, sur Estécal, nous l'avons revu, nous avons eu d'autres réunions. Aujourd'hui, les pré-réponses de l'État sont beaucoup plus adaptées. Mais il n'y a pas que l'État, là, c'est des pénarfs, etc., qu'il faut revenir aussi. OK ? Bon, Henri Claude a dit exactement tout à l'heure ce qu'il fallait voter, donc dans toutes les propositions faites au Conseil municipal. Vous avez le document devant vous. Sur cette base, je mets aux voix. Qui est contre ?
qui s'abstient. Merci, mes collègues, de votre unanimité. Je vous rappelle que l'on a bien travaillé. Il est 8h moins le quart. On est seulement au quatrième dossier, au cinquième si on compte l'approbation des PV. Merci, monsieur le directeur de l'aménagement et du développement urbain, à tes équipes également. Merci, messieurs les élus délégués à l'urbanisme réglementaire et à l'aménagement. Nous allons maintenant passer à l'arrêté des comptes de gestion 2017, hein, budget principal régie des pompes funèbres. Il ne reste plus beaucoup de budget aujourd'hui, mais heureusement qu'on a quand même un budget principal. Ensuite, on a fait un numéro 6, l'arrêté du compte administratif 2017, le budget principal. Ensuite, on a fait un numéro 7, l'arrêté du compte administratif 2017 pour le budget annexe de la régie des pompes funèbres. On va demander à M. Frédéric Zajakala de se joindre à nous. Il n'est pas là? Si? Oui, mais c'est Christian qui fait la présentation. Mais pour qu'on y visualise quand même ceux qui ont travaillé, les équipes, Frédéric est directeur financier, se mettre entre l'adjoint délégué notamment et le DGS. Et donc, d'ores et déjà, mes collègues, je pose le principe de la présidence pour le vote du compte administratif, à savoir du budget principal, du budget annexe régie des pompes funèbres. Je propose la candidature de M. Christian Landry, qui est contre, qui s'abstient. OK. Donc, c'est acté. Donc, nous allons dérouler sur cette présentation que Christian le fera. Je voulais dire quand même que nous allons sur une année 2017 satisfaisante à plusieurs titres sur le plan financier, concernant nos recettes de fonctionnement qui ont fortement augmenté, sur l'amélioration de notre épargne nette. Je ne vais pas donner de chiffres parce que sinon Christian va dire ben, je fais quoi moi. Sur les réalisations en matière d'investissement que la reprise avec donc un taux exceptionnel cette année et sur une réduction de notre endettement. Tout cela, c'est pour donner les parties de l'intervention de notre premier adjoint, Christian Landry, qui, avec son accent professoral, va nous faire la présentation qui nous fait si bien chaque année. Merci, monsieur le maire. Donc, maintenant, passons aux choses plus colorées, puisque nous sommes sur la fin de l'exécution du budget 2017, puisque nous en sommes au compte administratif, c'est-à-dire l'approbation du bilan. Vous avez sous les yeux les recettes réelles de fonctionnement, comme d'habitude, d'abord le fonctionnement, ensuite l'investissement, qui augmente de 6,8%. C'est du jamais vu depuis 10 ans, moi. L'an dernier, je vous le rappelle, cette augmentation des recettes réelles n'était que de 1,6% et nous en étions relativement satisfaits d'ailleurs. Donc là, 6,8%, l'honnêteté veut quand même que vous regardiez bien la dernière ligne ici, en recettes exceptionnelles. Nous avons une augmentation de 513% parce que nous avons eu de grosses recettes exceptionnelles et que le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça ne sera pas tous les jours la fête chinoise. Par ailleurs, vous avez quand même un résultat tout à fait satisfaisant dans ce fonctionnement, même si ce n'est pas sûr qu'on le retrouve longtemps comme ça dans les années qui viendront. Passons à la suivante, qui sont les dépenses réelles. Alors, vous comprendrez bien que si l'an dernier nous avions 0,9% d'augmentation des dépenses, cette année nous sommes passés à 4,5%, mais parce que nous avions 6,8% de recettes en plus. Donc, même si on a eu tendance à dépenser un peu plus, le différentiel fait que, quand même, il nous est resté un peu plus de sous dans le fond de la tirelire. Donc, les dépenses réelles ont augmenté de 4,5, mais les restes sont assez intéressants. C'est ce que nous allons voir tout de suite.
les restes des entre dépenses et recettes en matière de fonctionnement produisent ce qu'on appelle l'épargne nette, et c'est l'indicateur, je le répète tous les ans, qui est surveillé de près par les organismes qui nous prêtent de l'argent. Donc nous avons une épargne nette qui a augmenté, qui se situe à 1,7 million d'euros. Souvenez-vous, il y a un an ou deux, on espérait atteindre le million, et encore on n'en était pas sûr. Là, nous en sommes à 1,7, ce qui fait une augmentation de 27%. L'intérêt, évidemment, vous vous souvenez que toute épargne nette est réutilisée, épargne nette produite sur du fonctionnement, est aussitôt réutilisée en investissement. Ce qui nous permet, de cette cagnotte, de consolider nos investissements sans avoir besoin d'emprunter. Donc pas alourdir la charge financière ni le ratio par habitant de la dette de la commune. Alors, puisque nous sommes sur l'investissement, ben, ma foi, investissons et regardons ce qui s'est passé ces trois dernières années, qui n'ont pas été particulièrement brillantes au plan général sur l'économie, mais qui, pour ce qui est de nos investissements, sont passés de 6 à 8 à 10 millions, soit une augmentation de 19% entre 2016 et 2017. Nous avons bien investi. Là aussi, ne soyons pas angéliques. Ces trois dernières années ont vu de gros investissements parce qu'il y avait en particulier la médiathèque qui représentait de très gros volumes. Donc évidemment, étalé sur trois ans, cet investissement de la médiathèque est pour une grande part pour ce schéma. Mais les résultats sont là, nous avons investi 10,2 millions. J'ai parlé de la médiathèque, mais il n'y avait pas que cela. Nous avons nos travaux en régie, c'est-à-dire l'entreprise municipale, les travaux neufs, avec des difficultés de personnel, avec des difficultés de recrutement, de contrat, etc. Nous sommes arrivés quand même à ce qu'entre 2016 et 2017, nous ayons pratiquement 13% d'augmentation des travaux neufs en régie réalisés. Je ne vous détaille pas le tableau que vous avez à droite, mais c'est 1,8 million de travaux en régie. Et l'exemple que nous utilisons assez souvent avec nos voitures, c'est la rue Maury, avec son superbe parking sur les trottoirs du côté de la banque. Nous avons réussi quand même à quelques dizaines de milliers d'euros de PV. Ça rapporte de stationner sur les trottoirs. Alors, je vous le dis, si vous voulez participer à l'essor des PV, continuez à vous garer sur le trottoir. Merci pour tous. Donc, 1,8 million de travaux en régie qu'il l'aurait cru il y a deux ans. Passons maintenant aux subventions d'investissement. Eh bien, nous avons, c'est bien la première fois qu'on a un camembert. Bon, le camembert à gauche, il a un petit peu passé par le ballon de rugby, mais bon, le camembert est ovale et non pas rond. Mais 90%, ce qui est le bleu, ce sont des subventions de l'État. Et il faut le dire, c'est absolument exceptionnel, mais là aussi, je vous rapporte à ce que je disais tout à l'heure sur l'investissement, une grande part de ces montants vient de l'apport de l'argent d'État sur la médiathèque, entre autres. Vous avez dans les bâtons, ma foi, l'épargne brute en bleu, les dotations d'investissement, les subventions d'investissement et autres. Bon, vous voyez que les choses sont à peu près
identiques d'une année sur l'autre, mais les composantes augmentent avec une très bonne utilisation de l'épargne brute. Et puis surtout, ça n'a l'air de rien, mais c'est le petit chapeau vert qui était assez épais et qui tend à diminuer. C'est tout simplement la part des frais de dette. Depuis 3 ans, vous le voyez, 2015, 16 et 17, le vert diminue, c'est-à-dire que ce que nous payons en intérêt d'emprunt diminue parce que, proportionnellement, nous empruntons moins puisque nous avons une épargne nette qui est favorable et qui nous permet d'investir sans avoir besoin d'emprunter. Donc, nous gagnons énormément sur les frais financiers qui, évidemment, grèveraient autrement notre possibilité d'investissement. Là, maintenant, il ne représente que, j'allais dire un mot très français, « peanuts ». Passons maintenant à un de ces schémas que M. le directeur financier aime bien, les poids. Fut un temps où il nous donnait des voitures dans le mur, mais là maintenant on est sur des poids. Regardez le poids de la dette par habitant à Saint-Joseph. 2015, 1096, 2016, 1055, 2017, 1054. Bon, vous allez me dire, la différence entre les deux dernières années n'est pas énorme, mais c'est une baisse. Nous baissons depuis 3 ans le poids de la dette par tête d'habitant. Alors, histoire de comparer un peu aux autres, parce que Sainte-Marie, eh bien, par habitant, a 1652 euros de dette. En 2016, les résultats 2017 ne seront connus que lorsque tous les comptes rendus que nous faisons pour nous aujourd'hui des autres communes seront faits. 1521 sur Saint-Leu, 1344 sur le port, nous sommes à 1000 et quelque chose. Donc, pourquoi on a choisi ces trois collectivités ? Ben, c'est tout simplement parce qu'ils appartiennent à la même strate de population que Saint-Joseph. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Donc, nette diminution depuis 3 ans du poids de la dette par tête d'habitant. Résultat de fonctionnement, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, grâce à notre épargne nette, il a permis de couvrir sans aucun problème le déficit d'investissement que vous avez en bleu à gauche, qui se trouve en dessous du zéro puisque c'est du déficit. Et donc notre cagnotte qui est au milieu résultat de fonctionnement est amputée d'un morceau, c'est celui qui est la différence entre le rouge et le jaune. Il n'empêche que notre épargne nette, je reviens dessus, a permis de réinjecter en investissement grosso modo 4 millions, 3 980 000 et des poussières. Là aussi, on ne peut être que relativement satisfait par ces résultats. Nous allons pouvoir passer maintenant la dernière partie, mais avant de passer dans cette dernière partie, y a-t-il des questions sur ce rapide, parce que j'ai été très rapide dans la mesure où nous avons déjà eu, avec le vote du budget prévisionnel, des explications qui avaient largement entamé ces questions-là. Budget primitif, mais c'était prévisionnel. Oui. Et les orientations budgétaires, me dit Monsieur DGS. Monsieur Rivière. Alors, donc au niveau des documents, effectivement, nous avons pu les étudier et voir que les recettes exceptionnelles ont effectivement permis de donner une certaine santé financière donc au niveau de la municipalité. En regardant un petit peu sur les différents détails des dépenses, j'avais quelques questionnements, donc je propose d'être assez court et bref et d'en sélectionner quelques-uns.
Donc au niveau justement des autres produits exceptionnels des opérations de gestion, puisque c'est la ligne 77-18, page 16, sur le, donc le section de fonctionnement, en détail des recettes. J'étais un petit peu interpellé sur le montant initial qui était de 95 000 euros et avec un mandat émis de 559. Donc par rapport à ces produits exceptionnels de gestion, donc... Alors effectivement, par rapport aux produits exceptionnels, ils ont un caractère exceptionnel et on n'arrive pas à les prévoir. Donc sur l'exercice 2017, on avait prévu 95 000 et on a réalisé 559 000. On a eu notamment deux opérations importantes, notamment une qui consistait à récupérer des retenues de garantie qui étaient immobilisées sur les comptes du comptable public, pour des marchés de travaux très anciens et pour lesquels les entreprises avaient été liquidées. Donc une délibération était passée en ce sens. Elle est passée dans le courant de l'année. Et il a fallu se mettre d'accord avec le comptable public avant de pouvoir passer ces sommes en recettes. Et donc ça n'avait pas été prévu lors du vote du BP 2017, qui avait été voté en décembre 2016. Donc on était vraiment très tôt et on n'avait pas tous les éléments en main. Et puis on a également sur ce compte des sommes qui passent pour l'apurement des charges rattachées, puisque la sincérité des comptes veut qu'on rattache les charges en N-1 à l'exercice, enfin on rattache les charges qui concernent l'exercice 2017 sur l'exercice 2017. On a fait la même chose en 2016 et toutes les charges rattachées n'ont pas donné lieu à facture sur l'exercice 2017. Donc il convient d'annuler à travers une recette exceptionnelle et apurer les charges rattachées. Donc c'est des choses qu'on a du mal à anticiper. Il y a des fournisseurs qui, voilà, pour lesquels ils ne renvoient pas leurs factures systématiquement. Donc c'était 259 000 euros de charges rattachées sur l'exercice 2016 qu'il a fallu apurer. Et 227 000 euros des récupérations de garanties sur des anciens marchés de travaux pour lesquels une délibération était passée dans le courant de l'année qui ont constitué une recette exceptionnelle. Sur la page 13, les redevances pour services rendus. Puisque là, pareil, 270 000 euros, et on voit un moins 210 000 avec 470 000 de services rattachés. Page 13, redevances donc, pour services rendus. Vous avez le numéro de compte, s'il vous plaît ? Oui, 6284. Là, il s'agit de la redevance spéciale pour collecte et traitement des déchets pour la collectivité, puisque c'est la CASUD qui est compétente pour la collecte et le traitement. Les collectivités y sont soumises à travers la redevance spéciale. On a effectivement prévu une somme de 270 000 et on a quelques difficultés à récupérer les éléments exacts avec la CASUD, c'est-à-dire le détail des contributions que l'on doit exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait rattaché une première charge en 2016 en attendant d'avoir la facture détaillée. Et en 2017, on a rattaché de nouveau 2016 et également 2017, puisqu'on n'a toujours pas les justificatifs. Et donc à ce jour, on a 2 ans d'arriéré de redevance spéciale avec la CASUD dans l'attente de la production du détail, en fait, du nombre de collectes, bac jaune et bac vert par site pour l'ensemble du patrimoine bâti de la collectivité, partout où on a des poubelles, pour vérifier que les sommes qui sont réclamées correspondent bien à ce qui est dû, parce qu'on a un tarif par bac vert et par bac jaune. Donc voilà, c'est juste pour vérifier que ces sommes soient bien dues. Pour l'instant, on les rattache, on les provisionne, et puis en attendant la production des documents. Pareil, 65-33 sur les cotisations de retraite. Et on voit apparaître 65-34 sur la part patronale. Est-ce que c'est des nouveautés, tout est-ce comme au niveau des retraites, puisque la part patronale donc qui n'apparaissait pas, alors que maintenant elle apparaît, mais le montant global pour la cotisation de retraite est le même. Donc est-ce que c'est une demande des services de l'État de séparer ces pages 14, donc de séparer en fait chaque compte. Et du coup la question j'irai aussi qui est en lien,
c'est au niveau du compte 74 118 et 118 et 64 112. Est-ce que ça correspond au transfert prime point, donc dans le cadre de la rémunération? Alors pour la première question, enfin le DRH là vous donnera peut-être le détail, mais il y a des chances que ça soit une bascule, parce que vous avez vu qu'il y a un mouvement positif, un mouvement négatif, hein, mais il n'y a pas eu de changement majeur en la matière. Bon, mais les montants ne sont pas non plus très très significatifs. Pour la question suivante, vous avez le système, c'était le compte, vous disiez 64-118 et 64-112. Où il y a de l'indemnitaire et de... C'est un échange aussi. C'est pareil, c'est sorti d'un côté et c'est repassé de l'autre. Donc c'est une opération blanche. Ça, effectivement, ça correspond bien à un changement. Et vous avez la même chose aussi, d'ailleurs, si vous regardez sur le 647.2 et aussi sur la partie rémunération... principal, on a des bascules aussi au niveau des fonds de péréquation, donc ça passe d'un chapitre à l'autre. Il y a un moment on était sur un système de péréquation et aujourd'hui on est sur des tarifications réelles, donc du coup ça a des incidences. On payait 135 ou 140 000 par le passé, aujourd'hui on passe à 160, mais il y a des changements d'affectation comptable en fait, hein, donc ce qui explique les mouvements en la matière. D'accord, okay. Donc ça annule, j'irai deux autres questions et la dernière, concernant les immobilisations corporelles, notamment donc le chapitre 21-568 sur les autres matériels outillage incendie, puisque budgétisé donc 44 000 euros, mandaté 49 000 et il y a encore donc en reste 41 000. Donc, je voulais savoir à quoi ça correspondait. Alors ça, c'est une opération sur laquelle on a eu des financements avec l'Assemblée nationale, qu'on appelle réhabilitation des hydrants. Ce sont la réhabilitation et mise aux normes des bouches incendies sur le territoire de la commune, une opération qui suit son cours, et pour laquelle une partie des travaux a été réalisée et une autre a été reportée dans l'attente que ce soit totalement terminé. Il y aurait d'autres petites questions, mais la question, est-ce qu'éventuellement, à partir du moment où on a les documents, est-ce que sur certains chiffres, sur d'autres conseils municipaux, je pourrais peut-être interroger en amont, de façon à gagner un peu de temps, et puis peut-être à ce moment-là, ne mettre sur la partie publique, que quelques questionnements. D'accord. Est-ce que c'est possible? Voilà. Vous pouvez nous solliciter dans ce sens. Non, mais chacun sa spécialité. Non, mais enfin, je pense qu'effectivement, vous pouvez solliciter sur des éléments à la base comme ça, quoi. Donc, après, on verra sur les éléments qu'on peut vous produire en conséquence, mais ça peut se faire dans ce cadre-là. OK. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que c'est monsieur Lambry qui est en train de présider. Notamment pour le vote. Oui, pour le vote, donc, question préalable. D'abord, d'autres questions? Non? Très bien. Donc, je pose la question pour savoir si on vote par section. On va faire comme d'habitude, je suppose. Y a-t-il des gens qui sont contre le vote par section? Non. Abstention? Non plus. Donc, à la majorité absolue, nous allons voter par... Alors, il y a l'affaire 5 à traiter rapidement avant. C'est celui du compte administratif du budget des pompes funèbres. Compte de gestion, excusez-moi. C'est l'affaire 5, excusez-moi. Oui, l'affaire 5. Alors, le compte de gestion qui est celui du comptable par rapport au compte de gestion de l'ordonnateur, ils sont parfaitement synchrones, parfaits, au centime près. Y a-t-il des questions à ce sujet? C'est comme tous les ans. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. C'est comme la chemise et le piston. Il faut que ça soit absolument impeccable. Bien, donc, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Donc, c'est adopté. Le compte de gestion est adopté. Nous passons maintenant donc au
vote du compte administratif dans le budget principal. Donc, on a fait très simple, simplement vous donner les détails, puisqu'on avait eu tout au long des autres conseils dans le budget des lignes un peu plus détaillées. Là, nous sommes sur le total. Vote en fonctionnement, dépenses 49.896.658,63 €. Et en recette, 56.430.741,20 €, avec donc, vous retrouvez le supplément. On fait le vote fonctionnement d'abord. Des questions sur ce fonctionnement excédentaire? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Traditionnellement, nous avons trois. J'ai bien vu trois mains. Non, vous représentez cinq. Comme trois, c'est bien égal à cinq. Très bien. Eh bien, donc, passons à la ligne suivante. Même chose. 18.547.433,35 € pour une recette de 15.996.799,30 €. L'un a été compensé par l'autre, on l'a expliqué. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Le compte en investissement est adopté. Nous passons au compte administratif pour le budget de la régie des pompes funèbres. Là aussi, il est c'est traditionnel. Lui, il est par définition en équilibre pour une somme de 23.925,92 €. Qui s'oppose? Je mets aux voix, pardon. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, dans la mort, tout le monde est solidaire. C'est bien. Donc, ce compte administratif du budget des pompes funèbres est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur le maire peut reprendre place parmi nous. Les comptes financiers sont adoptés. Je repasse la présidence à Monsieur le maire. Monsieur Christian Landry pour cela. Je disais tout à l'heure que nous avons déjà bien travaillé. Maintenant, je vous propose qu'on entre dans une autre phase, une phase d'accélération, sans dire qu'on était dans celle du patinage jusqu'ici, mais... Je propose donc que l'on aborde l'affaire numéro 8. Frédéric, tu fais cette présentation sur la réhabilitation électrique des bâtiments scolaires, l'approbation du projet et du plan de financement. Voilà, un projet, un plan de financement, donc relatif à un appel à projet de l'État sur la dotation de soutien à l'investissement local. Il s'agit de l'ancien fonds de soutien à l'investissement local qui a été pérennisé maintenant. On aura un appel à projet chaque année. Donc là, il s'agit d'approuver ce projet qui consiste à réhabiliter les installations électriques pour l'école primaire du centre, l'école élémentaire de Vincent Dau et l'école maternelle de Vincent Dau, avec un coût global en études et travaux de 200 000 € hors taxes, et pour lequel on demande une participation de l'État à hauteur de 80%, soit 160 000 €, ce qui ferait une participation pour la commune de 57 000 €. 20% plus la TVA. Alors, c'est pas dit qu'on aura la subvention, mais on dépose le projet et on espère avoir de bonnes nouvelles là-dessus. Question? Pas de question? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, affaire suivante. Aménagement d'un espace sportif et de loisirs. Approbation du projet et du plan de financement. Je devrais dire même aménagement d'un espace sportif, ludique et de loisirs. Et je laisse donc à
Frédéric Le Soin de présenter. Je crois que Sylvain Voirot a prévu d'intervenir sur ce dossier. Alors, sur ce dossier, donc, des études de maîtrise d'œuvre sont en cours pour la construction d'un espace, donc d'un skatepark, d'un espace de street workout et d'un espace de jeu, aire de jeu pour les enfants. On a un appel à projet du Centre national de développement du sport qui a été clôturé la semaine dernière. Le dossier a été déposé et il manque la délibération pour compléter ce dossier et une demande de financement auprès des services de l'État. Et on a également le plan de relance régional 2 qui finance également ce type d'équipement à hauteur de 50%. Donc il s'agit pour la commune d'approuver le principe d'un plan de financement que nous demandons à la région. On déposera le dossier en fin d'année. Et au CNDS, le dossier est déjà déposé. Donc 50% pour la région au titre du plan de relance et 30% au titre du CNDS sur un projet qui fait 681 000 euros hors taxes, avec une participation communale résiduelle de 194 000 euros. Très bien. Sylvain. Bonsoir à tous. Donc un petit mot sur ce projet qui nous tient à cœur. Donc une petite rétrospective rapide. Depuis 2015, plusieurs visites avec des jeunes de Saint-Joseph sur le terrain dans différents parcs, avec la mise en place des deux instances CMC et CML. Nous sommes allés visiter à la petite île avec les commissions sport et santé. Et lors de la pose de la première pierre le 19 mars dernier, donc au complexe Henri Ganowski, nous étions engagés, le maire s'était engagé à faire ce projet dans la concertation donc avec les futurs utilisateurs, avec l'association Rider Pays et les utilisateurs du street workout. Donc ceci a été fait courant mois d'avril, donc on a proposé une première ébauche du projet. Et donc les futurs utilisateurs qui sont là ce soir, donc Romain et Mathieu pour le street workout et Anthony Drazik et un autre Romain pour le skatepark, nous ont beaucoup aidés et je tenais ce soir à les remercier pour leur disponibilité, leur réactivité et leur implication dans ce projet, donc comme je l'ai dit, qui nous tient à cœur à tous, donc ils sont dans la salle et on aura encore besoin de vous pour faire vivre ce beau projet et donc je compte sur vous pour rester à nos côtés. Voilà, merci. Monsieur Rivière. Juste au niveau du plan de financement, je ne sais pas si au niveau des documents transmis, la part de la commune est à 5%, alors que le différentiel, normalement, je crois que c'est 11,5. Enfin, 11,5, j'avais sur le plan de financement, puisque la TVA est à 8,5. Donc, c'est 20%, oui. C'est une erreur matérielle. D'accord. Okay. Donc, voilà. Ah oui. Mais si c'était 5, on prenait. Bien. Pas d'autres remarques. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et merci donc pour le soutien, l'accompagnement à l'ingénierie. Je pense que ces types de projets, on l'a vu lors de la pose de la première pierre. Maintenant, il faut être à la deuxième, à la troisième, à la quatrième pierre pour aller plus avant, je dirais, dans cette réalisation, puisque c'est les projets dont la jeunesse a besoin et où l'a appel à nous suffisamment fréquemment pour pouvoir le faire. Voilà. J'ai mis aux voix donc le dossier suivant. C'est dotation de soutien à l'investissement local pour le dédoublement des classes de CP dans les écoles de Saint-Joseph situées en REP. Approbation du projet et du plan de financement. Frédéric Zajacala. Ouais, on est toujours sur la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de l'appel à projet des services de l'État. Donc là, il s'agit de dédoubler les classes en REP et REP+. On a 9 écoles qui sont concernées, dont 3 où on dispose de locaux qui pourront être dévolus pour ces dédoublements de classes. Et dans 6 écoles, il faudra qu'on intervienne sur des travaux. Donc vous avez le détail sur les tableaux dans la note de synthèse, sur l'école élémentaire de Langevin, élémentaire des Jacques, primaire de Badjean Petit,
et primaire de Jean Petit, sur lesquels bon, les travaux ne sont pas importants. C'est des travaux qui seront faits en régie. On n'a pas la certitude que l'État va nous accorder des financements sur les travaux en régie, mais on dépose tout de même le dossier. Il n'était pas matériellement possible de faire des marchés de travaux pour la rentrée d'août. Donc on va les faire en régie. Et si l'État les finance, ben, ce sera tant mieux. S'il ne les finance pas, donc ce sera plein pot pour la mairie. Mais le bilan de l'opération est à 17 000 euros hors taxes et on demande une participation de l'État à hauteur de 14 000 euros. Vous voyez, ce n'est pas une grosse opération. Question ? Monsieur Rivière, peut-être pas les longs. Voilà, excusez-moi. Faire et défaire, c'est toujours faire. Mais c'est quand même au niveau de la... Je vois les réalisations de cloisons avec une séparation. C'est vrai que c'est encore... Je dirais au bas mot, un mètre carré de moins, puisque la porte de séparation, il faut bien qu'elle s'ouvre, et qu'il n'y ait rien derrière, il n'y a aucun obstacle, pour une mesure qui, on le souhaite, dans l'intérêt effectivement de l'organisation pédagogique des classes, permette, je dirais, de prendre en charge moins d'élèves, mais combien de temps cela va être d'actualité, et ces travaux de 17 000 euros, voilà. Belle réflexion sur le cycle de vie des instruments de la République et des décisions. Voilà, le temps d'un ministre. Ouais, bon, il faut un minimum quand même, oui. Même si on savait ça, le DGS me soufflait que on a préféré cette logistique-là plutôt que les rideaux. Voilà. On met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire suivante. Mise à la réforme des biens figurant à l'actif communal. C'est un dossier qui revient tous les ans. C'est pas le même. Oui. C'est pas le même actif, mais... C'est le même actif, mais pas les mêmes biens. Pas les mêmes biens. Voilà, effectivement. Exactement. Donc, ce sont... Merci de la rectification. Une opération classique. On a l'actif communal, donc, qui est tenu avec l'ensemble des achats d'investissements qui sont faits par la commune. Ces biens sont ensuite amortis et une fois qu'ils sont totalement amortis et quand ils sont vétustes, il convient de les sortir de l'actif à travers une délibération pour pouvoir les orienter vers les filières de retraitement de déchets adéquats. Donc là, il s'agit exclusivement de matériel informatique puisque le service informatique a fait un gros travail d'inventaire physique de ces biens vétustes. Et donc, c'est la liste qui est proposée ce soir au conseil municipal. On reviendra certainement dans le courant de l'année pour les biens de l'ensemble des autres services. Question ? Pas de question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire numéro 12. Merci, Frédéric. Affaire numéro 12, attribution d'aide en nature à la Caisse des écoles pour l'organisation d'accueil en faveur de l'enfance et de la jeunesse, deuxième semestre 2018. Ce sont des dossiers qui reviennent aussi régulièrement. Jean-Daniel ? C'est vrai, excusez-moi. La rentrée d'août 2018 sera marquée par une réorganisation du rythme scolaire et des accueils des loisirs sans hébergement. L'organisation par la Caisse des écoles de ces accueils en faveur de la petite enfance et de la jeunesse nécessite des moyens que l'établissement ne peut mobiliser dans leur totalité. À ce titre, il convient que le conseil municipal lui attribue des aides en nature afin de lui permettre d'organiser ses nouvelles actions au cours de l'année 2018. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'attribution à la Caisse des écoles des aides en nature telles que définies dans la délibération, d'autoriser le maire à signer les conventions de mise à disposition et afférentes, ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. OK. Il y a des questions ? Ou vous avez les réponses qu'on vous fait chaque année ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, merci Jean-Daniel. Affaire numéro 13, vente de la parcelle BW 2082 située dans le lotissement Marguerite à M. Bénard Jean-Jimmy. Harry, c'est toi qui fais la présentation ? Alors, dans l'affaire numéro 13, pour mémoire, par délibération du 18 septembre 2009, la commune a autorisé la vente des logements du groupe d'habitat
d'habitation LTS Marguerite située dans le périmètre de la RHI Centre-Ville. Monsieur et Madame Bénard, Joseph Antonin et Marie Ruffin occupent ce logement de type T4-5 construit sur les parcelles BW 2082 d'une superficie de 661 m². La valeur vénale du bien a été estimée par le service des domaines à 132 000 euros, conformément au marché de l'immobilier. Ces derniers étant dans l'impossibilité de se porter acquéreur en raison de leur âge et du prix du bien, ils ont désigné leur fils Bénard Jean-Jimmy comme futur acquéreur, tout en gardant à leur profit un droit d'usage et d'habitation. Monsieur Bénard a sollicité la commune afin de bénéficier de la réduction de 10% accordée par l'administration fiscale, soit un prix de vente de 118 800 euros. Aujourd'hui, il est donc proposé au conseil municipal de céder à M. Bénard Jean-Jimmy ce bien au prix de 118 800 euros avec un droit d'usage et d'habitation réservé à ses parents. Notamment l'acte authentique à intervenir par devant notaire. C'est bon ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, juste pour préciser, pour donner des informations. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est bon ? OK. Alors, pour donner quelques informations sur les LTS communaux, sur 194 logements au départ, on a les projets vendus et en cours de traitement. 181 a été vendu. Il nous reste que 13. Bon, ces 13 familles, aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il n'existe plus l'ALS. Et maintenant, on va travailler pour que ces familles-là puissent demain, soit les parents, soit leurs enfants, de bénéficier le bien par une autre façon. Bon, on est en train de travailler avec les services pour voir quelle solution trouver dessus. C'est bien. Ce qui veut dire qu'on a un taux de réalisation de 93%. 92,78%. C'est quand on se souvient qu'on s'était saisi de ce dossier avant qu'on ne soit élu, en 98, et après qu'on en ait fait un de nos tout premiers dossiers en 2001. Je pense que il faut du temps au temps, avait dit un grand homme, mais on a avancé sur plein de dossiers, à Grand Coude, Blanche Reine, sur Azalée Lys, à Greg. Sur Glaïeul, à Goyave, sur Jasmin, à Butor, côté de chez toi, Marie-André, à Violette, Centre-Ville, Marguerite, dont la partie haute a été donc délocalisée pour pouvoir réaliser Rosaire Congo dans le cadre de la RHI, la cité Grévillers, pareil. Langevin, en effet, sur Capucine, Vincent Dau, sur la rue Prosper-Mérimée, et où Vincent Dau, tout a été vendu. Donc c'était des occupants qui ne payaient plus pour la plupart d'entre eux, mais qui n'avaient pas de titre non plus, donc de ce fait. Donc promis soit à être délocatés à l'éternel, ou à... donc c'est pas mal, c'est dommage que Harry vient de le dire, avec les 194 moins 180, donc les 14 dossiers restants, le fait de ne plus avoir aujourd'hui l'ALS pose un problème pour les héritiers. C'est pareil, la semaine dernière, nous étions en réunion à Grand Coude, deux personnes disaient à nous, on a un logement, les libres de l'autre côté. Les malheureux de dire, mais actuellement, il faudrait tout simplement dire aux gens, est-ce que ça a de l'argent pour acheter ? Ce ne sont plus des logements sociaux. Ce ne seraient plus des logements sociaux. Parce qu'ils n'ont plus l'aide pour pouvoir faire tout simplement le prêt social. La situation dans laquelle nous sommes. Oui, il reste un bien social, oui. Ouais. Voilà. OK. Ceux qui ont obtenu, ils sont là, sauf que s'il y a une rupture familiale ou un divorce quelconque, vous êtes obligés de quitter. Et à ce moment-là, quand ils cèdent, en général, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait passer une autre famille éligible dessus et qui répondait et remplissait les critères sociaux. Mais on a voté ça. Affaire 14, c'est Mohamed Jaffar qui s'y colle, cession foncière de la parcelle communale
BW 2316 de 350 mètres carrés au profit de M. Karl Naranagom, si tu vas nous dire aussi. Absolument. Donc, c'est une parcelle dont on a discuté donc, sur les conseils municipaux précédents. Cette parcelle se situe près de l'ancien Veolia, donc là où il y avait à l'époque le restaurant, le Fanal. Donc la société SKN Concept Resto a sollicité la commune dans le cadre de l'implantation d'un projet restaurant snack sur la parcelle nouvellement numérotée donc au cadastre BW2316, anciennement BW667, d'une superficie de 350 mètres carrés. Pour mémoire, lors de la séance du 28 mars dernier, une convention de concession de 6 places de stationnement sur le parking de la rue des Pervenches a été approuvée au profit de cette société. Par ailleurs, la société a marqué son intérêt pour l'acquisition de la parcelle. Le bien a été évalué donc par les domaines à 77 000 euros avec marge de négociation de 10%. Suite aux négociations entre les parties, il a été convenu d'un prix d'acquisition de 70 000 euros hors taxe, compris dans la marge de négociation. Afin de permettre la réalisation du projet du restaurant, il est donc proposé de céder donc à la société ce foncier au prix donc de 70 000 euros. Donc d'approuver la cession de la parcelle communale cadastrée, donc BW2316, de 350 mètres carrés donc au profit de M. Naranagom ou de la société donc, dont il présente, donc pour le montant de 70 000 euros, conformément aux accords intervenus entre les parties, et bien sûr d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire, notamment l'acte authentique à intervenir par devant notaire. Voilà. Juste, puisque vous avez insisté sur le hors-taxe par rapport aux autres dossiers, où ce n'est pas précisé, la différence, Alors, la taxe là-dessus, c'est une excellente question. Je me retourne vers nos agents administratifs, mais je suppose que c'est quoi? C'est du 8,5, 5,5, 20%. Mais je veux dire, ce sera supporté par la municipalité, contrairement aux autres dossiers où c'est négocié TTC. C'était là l'objet de ma question, parce que c'est vrai que dans les autres dossiers, on n'a pas précisé si c'était hors taxe ou pas. Et celui-là, oui. Donc c'était juste l'objet de ma question. Là-dessus, peut-être que Jimmy Lebon pourrait nous apporter. Il n'est pas présent. Mais là, ce serait en TTC? Oui. La réponse arrive. Mesdames et messieurs, je vous présente Laura. Elle va vous donner donc les explications, puisque voilà, histoire de ne pas dire de bêtises. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre des négociations, le prix fixé est hors taxe, donc 70 000 euros convenus avec le potentiel acquéreur. La TVA sur marge n'est non comprise. Donc, cette TVA sur marge est fixée par suite en lien avec le notaire. Bon, mais que c'est même pas. En fait, c'est un prix de cession moins le prix d'acquisition fois le 8,5%. Qui donnera le montant TTC. C'était Laura. Merci. OK. Sur cette base. Pas d'autres interventions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 15. Ah ben, il y a 4 affaires hein, qui succèdent. J'avais parlé de ça en... Et donc, c'est M. Henri-Claude Huet qui va nous présenter. Donc, il s'agit de l'extension de la ZAC des Grègues, la ZAC des Terrasses. Il s'agit d'autoriser
d'autorisation d'acquisition par la Sodiac, donc de parcelles BK794, BK795, BK799, BK800, avec les consorts Mallet. Et dans la déclinaison, donc, Henri-Claude va nous dire à chaque fois quelle parcelle correspond à quel Mallet et quel prix. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'extension de la ZAC Les Terrasses par l'aménageur, c'est-à-dire la Sodiac. Elle a procédé à l'acquisition de l'ensemble des parcelles privées situées au sein du périmètre de la zone d'activité et classées en zone NAUB1 et NAUE1. À ce jour, 98% du foncier est maîtrisé. En partie S de la ZAC, une emprise totale d'environ 2,3 hectares a été laissée en zone NAE dans l'attente de la définition des futurs équipements. Ces terrains concernent principalement les consorts Mallet. Deux membres de la famille ont déjà cédé leur terrain, à savoir Mme Daisy Mallet et M. Timothée Mallet. Après négociation avec les autres membres de la famille, donc plusieurs propriétaires ont donné leur accord à la Sodiac pour la vente de leur parcelle. Il s'agit de M. Jean-Luc Mallet pour la parcelle cadastrée BK794 au prix de 85 800 €. De M. Guy Michel Mallet, parcelle cadastrée BK795 au prix de 103 400 €. De M. Jean-Max Mallet, parcelle cadastrée BK799 au prix de 90 000 €. Et de M. Jean-Denis Mallet, parcelle cadastrée BK800 au prix de 90 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles BK794, BK795, BK799 et BK800 situées à l'intérieur du périmètre de la ZAC Les Terrasses, d'autoriser la Sodiac à acquérir les dites parcelles au prix défini ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document aux pièces se rapportant à cette affaire. C'est bon. On a dit manque la parcelle Bécali. Bon. Question de détendre l'atmosphère qui n'est pas tendue. Bon, je mets aux voix sur l'affaire numéro 15, BK794, donc propriétaire M. Mallet-Jean-Luc, au montant de 85 800 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Pour la BK795, c'est à M. Guy-Michel Mallet pour un montant de 103 400 €. C'est bien ça ? Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire 17, BK799 pour M. Mallet-Jean-Marx, superficie de 2 889 m², prix d'achat proposé. Prix de vente, 90 000 €. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Et BK800, donc c'est Mallet-Jean-Denis pour une parcelle de 3 196 m² et pour un montant de 90 000 €. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Bon, vous avez noté que là-dessus, on a quelquefois un petit différentiel en termes de superficie, mais vous avez vu aussi dans la situation au plot, au post-plus, et au PPR, c'est ce qui explique tout dans l'estimation domaniale. Et après, il y a eu donc les négociations avec la famille. Ce n'est pas terminé, mais ça avait commencé aussi auparavant avec deux autres personnes, Timothée et Madame Daisy Mallet. Hein. Et donc, il y a encore un autre en pourparler. Je voulais remercier le service du développement économique et notamment la dame qui vient de passer tout à l'heure et qui est venue souffler à l'oreille gauche de M. Mohamed Jaffar, c'est-à-dire Mme Laura Ouarou, qui a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et je voulais dire à elle, perdez pas l'élan parce que notre d'autres dossiers peut travailler dessus. Voilà. Et bon, merci mes collègues pour cela. On va passer donc au dossier suivant qui est l'affaire numéro 19, fixation des tarifs d'occupation du domaine public pour l'année 2018, complément pour les installations numériques. Qui s'y colle ? Ah ben, Jaffar, tu veux bien ? C'est un dossier passionnant. Voilà, je te donne la parole. Alors, merci. Donc, là aussi, c'est une affaire qui est récurrente.
Donc, par délibération du 12 décembre dernier, le conseil municipal a fixé les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2018. Il convient d'y apporter un complément, à savoir l'actualisation des tarifs pour les installations numériques qui sont encadrées par le décret donc, numéro 2005-1676 du 27 décembre 2005 et qui vous ont été remis dans la note de synthèse. Maintenant, je peux aussi tout lire, mais je pense que c'est bon, hein, vous avez eu le temps de voir. Alors donc par rapport à ces tarifs, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le complément à la délibération donc numéro 207-12-12-19 du conseil municipal du 12 décembre 2017, prenant en compte les tarifs pour les installations numériques conformément au tableau donc, qui a été présenté, d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Questions ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Mohamed Jaffa, on continue avec l'adhésion au réseau des centres-villes durables et l'innovation de centres-villes en mouvement. Voilà, donc tout à l'heure, c'est ce que je disais à M. Rivière et à l'ensemble des collègues. Donc dans le cadre de la dynamisation du cœur de ville, donc, nous poursuivons, je dirais, nos missions, mais aussi nos quêtes d'idées innovantes pour permettre véritablement à la réussite donc, de ce nouveau cœur de ville qu'on souhaite en tout cas dynamique et attrayante tout simplement. Donc dans le cadre du projet du développement commercial du cœur de ville, il est proposé au conseil municipal de devenir membre du réseau des centres-villes durables et de l'innovation de centres-villes en mouvement. Créé en 2005, Centre-Ville en Mouvement est une association à l'initiative de parlementaires, d'élus locaux et consulaires de toute sensibilité, attachée à la redynamisation et au renouveau de cœurs de ville. C'est une plateforme d'échange structurée autour des hauts fonctionnaires, de chercheurs, de représentants de l'AMF et de consulaires qui partagent leurs expériences dans des domaines tels que la logistique urbaine, la mobilité, l'énergie, l'urbanisme, le commerce, l'artisanat, les nouvelles technologies. Donc l'association est également soutenue par de nombreux partenaires publics et privés, tels que Claire Chanel, Casino, EDF, La Poste, etc. Alors devenir membre du réseau de centres-villes en mouvement permet notamment à la collectivité d'intégrer un réseau de collectivités et de bénéficier de ses ressources, de mettre en avant les actions et projets innovants du centre-ville, de rencontrer les acteurs de l'innovation et des spécialités et des spécialistes pardon, des centres-villes, de participer aux journées de rencontres du réseau, séminaires, ateliers, observatoires, visites de terrain dans les centres-villes en France et à l'étranger, de partager les meilleures expériences et les bonnes pratiques, d'obtenir des documents, comptes rendus, actes concrets grâce à la plateforme du réseau. Par conséquent, donc, il vous est proposé de devenir membre du réseau des centres-villes durables et de l'innovation de centres-villes en mouvement. Il est précisé encore une fois qu'il ne s'agit pas pour la ville d'adhérer à l'association. Alors la cotisation annuelle est de 1 000 euros, d'autoriser le maire à signer la demande d'adhésion au réseau ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Avez-vous des questions ? Pas de questions, je mets au voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien, mes collègues, pour les affaires qui arrivent, je vous demande de rayer l'affaire numéro 23, frais de mission dans le cadre de l'exécution de mandats spéciaux sur Mayotte que Al-Ramanagom devait présenter, puisque ça me concernait, mais tout compte fait, ça ne se fera pas. C'est repoussé une date ultérieure. Et les deux affaires 21 et 22, je propose donc que l'on désigne un président autre que moi-même, donc pour des raisons de compatibilité, et puis aussi parce que ça me concerne, donc on va prendre toutes les garanties nécessaires, et je propose à Christian Landry d'être candidat. Je suis candidat. Il n'y a pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Et bien voilà, les affaires 21 et 22 sont présentées et mises au vote par, au revoir, par Christian Landry. Merci, Monsieur le maire. Donc, affaire 21, il s'agit là aussi d'une affaire récurrente, puisque c'est le rapport d'activité du centre multi-accueil, c'est-à-dire la crèche, l'ancienne crèche 1, 2, 3 Soleil, ou la crèche 1, 2, 3 Soleil, ça va toujours comme ça, oui. Et avant le 1er juin de chaque année,
un rapport doit être fait puisqu'ils sont concessionnaires de délégation de services publics. La commission adéquate, c'est-à-dire la commission consultative des services publics locaux, s'est réunie la semaine dernière. Elle a examiné le rapport et a émis un avis favorable. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de la PEF, s'y annexer, et relatif à la gestion des, à l'exploitation du centre multi-accueil municipal pour l'année 2017. Et le conseil municipal est invité à en délibérer. Des questions ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adjugé. Affaire 22. Il s'agit des frais de mission dans le cadre de l'exécution des mandats spéciaux de métropole. Donc, il s'agit... la ville de Saint-Joseph donc mène depuis quelques mois une réflexion sur la revitalisation du centre-ville et sur le renforcement de l'attractivité commerciale. Je passe rapidement. Une délégation menée par le maire s'est rendue à Roanne afin de voir un exemple de montage de projet réalisé par cette ville qui a créé une société mixte à opération unique, une SEMOP, pour revaloriser son centre-ville. Par ailleurs, en 27 mars 18, la ville de Saint-Joseph, comme on l'a dit tout à l'heure, a été retenue au titre du programme national Action Cœur de Ville et nous faisons partie des 222 élus. Dans cette volonté d'impulser cette dynamique nouvelle, il est proposé au conseil municipal de conférer des mandats spéciaux aux élus délégués pour une mission Action Cœur de Ville qui se déroulera ainsi. Les assises nationales du centre-ville à Metz les 7 et 8 juin 2018 et le congrès Cap sur les villes moyennes à Cognac. Enfin, c'est sur le bord de la Charente, c'est une rivière où il coule de l'eau. Les 14 et 15 juin 2018. Et les échanges porteront sur l'avenir des ressources des collectivités locales, tant financières qu'humaines, et la deuxième journée sur les suites à donner au plan national en faveur des villes moyennes, Action Cœur de Ville. Il n'est pas dit ce qu'ils font la troisième. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de conférer un mandat spécial à M. le maire dans le cadre du congrès Cap sur les villes moyennes à Cognac, de conférer un mandat spécial à M. Mohamed Jaffar, élu à la dynamisation du centre-ville, entre autres, dans les cas des assises nationales du centre-ville à Metz et au congrès Cap sur les villes moyennes à Cognac, d'approuver la prise en charge des frais que nécessite l'exécution de ces mandats spéciaux et d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Et le conseil municipal est invité à en délibérer. J'étais un peu rapide, mais je prenais connaissance de la note. En même temps, je vous la lisais. Alors donc, j'espère que je ne l'ai pas trahi. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adjugé. Voté à l'unanimité. On va pouvoir demander à M. le maire de bien vouloir reprendre sa place parmi nous. Et je redonne la présidence à M. le maire. Monsieur le premier adjoint. Alors, nous allons maintenant passer à l'affaire 24, puisque je vous avais dit qu'on retirait le 23 pour repousser une date ultérieure. Et nous avons demandé à M. René-Claude Chevalier de se mettre à nos côtés pour rester dans le timing. À 20h15, je vous avais dit qu'on était à la fin de l'affaire numéro 7. Donc nous sommes maintenant à la 24. Et nous allons passer ensuite à la 25. Donc, chrono en main. Allons-y, M. René-Claude Chevalier, pour la fixation du nombre des représentants du personnel au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs à la ville, au CCAS et à la Caisse des écoles. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc une affaire qui vous avait été présentée donc en 2014, puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'au mois de décembre prochain auront lieu les élections professionnelles.
dans les trois pans de la fonction publique de l'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. Donc à ce titre, les employeurs doivent délibérer pour fixer le nombre de représentants au niveau de ces comités, comités techniques d'un côté et CHSCT de l'autre. Donc on a fait d'une pierre deux coups pour présenter dans une même affaire donc les deux instances consultatives. Et il vous est demandé donc ce soir donc de garder les mêmes conditions de fonctionnement que ces quatre dernières années, c'est-à-dire donc un fonctionnement à 6 représentants dans le comité technique et dans le CHSCT, donc 6 représentants titulaires, 6 représentants suppléants, de maintenir également le caractère paritaire dans le fonctionnement de ces instances, et en l'occurrence le comité technique et le CHSCT de son côté. Et enfin, que pendant ces séances de comité technique et de CHSCT, l'avis des représentants de la collectivité soit également donc recueilli, donc dans ce même instant, et que ça apparaisse sur le PV donc, qui suit ces différentes séances. Et donc, il vous est également demandé d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Question ? Parité, n'augmente pas le nombre. Je mets au voir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, j'entends des voix. Voilà. Merci, René-Claude. Monsieur le DRH, nous allons maintenant passer à l'affaire numéro 25, dans le cadre de la préservation de l'environnement et développement durable, renouvellement de la convention avec l'association Titan Récup. On va demander à notre élu délégué au développement durable, mademoiselle Marilyn Janger, de bien vouloir nous faire la présentation. Il s'agit, voilà, bonsoir à tous, effectivement, renouvellement de la convention avec l'association Titan Récup, affaire numéro 25. Donc, ce dossier s'inscrit paradoxalement dans un calendrier qui est conforme à l'actualité. Donc, une semaine européenne développement durable qui a été lancée donc ce 29 mai au niveau de la DA à Saint-Denis et qui prend fin donc demain. Donc, semaine où la majorité des services ont été mobilisés de par leurs compétences et volonté d'inscrire des actions de sensibilisation autour d'ateliers au sein de la médiathèque, mais également sous la halle François Mitterrand. Donc, belle réussite grâce, on l'a bien compris, à nos services et partenariats. Donc, il s'agit ici de renouveler une convention avec l'association Titan Récup, qui met donc à disposition sur le territoire de Saint-Joseph 9 bornes de récupération de vêtements, textiles, maroquinerie et chaussures. Il s'agit ici donc de définir les engagements de l'association Titan Récup et ceux de la municipalité. Et cette action en faveur de la préservation de l'environnement vient compléter l'offre de services présentes sur le territoire communal en matière de tri sélectif des déchets. Alors, il s'agit donc ici d'approuver la convention à intervenir avec l'association Titan Récup, mais également d'autoriser le maire à la signer, ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Pas de questions. Je voulais remercier Marilyn et les membres de la 3DCV, il n'y a pas toujours comme ça, la Direction de développement durable et du cadre de vie, d'avoir donc organisé la matinée de découverte et de visite chez Titan Récup à Cambé-Saint-Paul, jeudi, c'était Mercredi, le 30. Mercredi dernier, j'ai dit jeudi, voilà. Tu as dit mardi, donc c'est mercredi. Merci Blanche de nous mettre d'accord. Mercredi dernier, donc en pleine semaine du développement durable, donc on peut voir, on peut porter véritablement un avis critique sur la société de consommation dans laquelle on nous a entraînés il y a quelques décennies de cela, mais en même temps de se dire aussi que tout n'est pas perdu. Voilà. Bien. Ben, comme nous, la visite a été porteuse en tout cas, ben, on propose en effet de suivre les recommandations de notre collègue et de voter pour le renouvellement de la convention, sauf si vous disiez exactement le contraire pour l'un d'entre vous, non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?
C'est merveilleux. Voilà. Bien. Mes collègues, je crois que l'ordre du jour a été épuisé. Hein, on a tenu le timing. Hein, même pas trois quarts d'heure pour, je ne sais pas, combien de dossiers ? Pour 25 moins 7, 18. Et pour le reste, donc les 7 premières, mais premières affaires, mais ça méritait 7, 8 premières affaires, ça méritait toute l'attention que nous avons mobilisée. Je pense que vous ne me demanderez pas de vous lire ce que vous avez eu. Je vous ai porté information. Il y a des décisions importantes. Vous l'avez vu. Vous les avez vues, hein, qui ont été prises donc en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales qui confère au maire un certain nombre de délégations dont il rend compte et information a posteriori. C'est ce que je faisais là. Pas de questions là-dessus ? C'est bon ? Bien. Je vous souhaite... Il y a encore des documents signés. Ne partez pas tout de suite si vous ne l'avez pas fait. Et puis je souhaite à tous les messieurs qui sont là, après avoir souhaité au fait une bonne fête au maman il y a quelques semaines de cela. Donc une bonne fête des papas. Hein. Et puis j'ai vu un beau tableau qui est dressé sur nos 4x3 de M. Amano, M. Coffin, comme il appelle à lui là-haut Bel Air, hein, au coin du feu. C'est le doyen des papas de Saint-Joseph. Il est marqué 111 ans dessous. Poignée Quintard. Hein. Ouais. Et bon pied, bon oeil. Hein. Voilà. Je vous souhaite tous et toutes de vivre aussi longtemps que lui. Avec la même sagacité. Voilà. Il y a de l'ambition, il y a de l'optimisme. Bonne soirée à vous.